Bien, mesdames, messieurs, bonsoir. Je suis, au nom de toute l'équipe du pôle, très heureux de vous accueillir parmi nous pour donc une conférence. Et puis au-delà, on en parlera tout à l'heure, de tout un programme de manifestation cette semaine qui est organisé, co-organisé par le pôle d'interprétation de la préhistoire en partenariat avec le centre d'éducation permanente du secteur de Montignac. Voilà, et donc cette conférence s'inscrit dans le cadre donc d'une résidence qui a été initiée par le CEPSM, en fait, donc le Libérou, avec le partenariat de la Bibliothèque départementale de Près de la Dordogne. Donc une conférence de Bernard Bidode, en fait, qui est parmi nous ce soir et que vous pourrez retrouver ce vendredi, ici même, dans le cadre d'un spectacle avec Monsieur Le Quellec également, donc un spectacle conté, en fait, qui se déroulera ici vendredi à 20h30, mais on y reviendra tout à l'heure, en fait. Voilà. Donc, je voudrais vous demander d'excuser l'absence de Dédé Gaillard, qui est le président du CEPSM, qui est malheureusement souffrant, mais on a son vice-président, donc Paul Rigaud, qui est parmi nous, et puis on a un certain nombre donc de membres du CPSM qui sont dans la salle et que je voudrais saluer, tout comme je souhaiterais saluer également donc Pascal Loubia et Ludovic Garou donc de la Bibliothèque départementale de Pré, respectivement, donc si je m'abuse, responsable de l'action culturelle, voilà, et responsable de la politique des publics, c'est ça, si je ne me trompe pas? Bon, voilà, donc du coup de la BDP. Voilà, donc nous allons avoir le grand plaisir d'entendre donc Jean-Loïc Le Quellec, qui est directeur émérite de, effectivement, comme son nom l'indique ici, l'Institut des mondes africains, qui dépend du CNRS, et qui est effectivement l'auteur d'un certain nombre d'ouvrages, je ne sais pas, une quarantaine d'ouvrages, j'imagine, je ne sais pas si vous les avez comptés, peut-être pas, dont parmi les plus récents, donc Avant nous le déluge, publié l'an dernier, ou le dictionnaire critique de la mythologie, ou bien encore l'homme de Lascaux, ça c'est pour un petit peu plus anciens. Voilà. Donc la thématique de ce soir, de cette conférence ce soir, c'est donc liée à l'origine des mythes d'origine. Voilà, et puis donc on va lui laisser la parole. Merci à Jean-Luc Lecoq d'avoir bien voulu nous rejoindre. Et puis, on reviendra tout à l'heure sur la suite des manifestations. Un petit mot pour vous dire que vous aurez l'occasion, à la suite de l'intervention de Monsieur Le Quellec, donc de bien évidemment de réagir, de l'interroger, de poser des questions. Ça sera également le cas pour toutes les personnes qui suivent la conférence en direct sur notre chaîne YouTube. Et donc, à ces personnes-là, je leur demanderai simplement, au travers le chat, en fait, de rédiger de manière le plus explicite possible leurs questions pour qu'elles puissent être retraduites après en salle, afin que notre intervenant puisse y répondre. Voilà, je vous souhaite une belle soirée. Merci. Alors bonjour. Je vais parler donc de l'origine des mythes d'origine. Sans me préoccuper de la signification des mythes. Non pas que c'est pas intéressant, non pas que moi-même ça ne m'intéresse pas, mais par méthode, si vous voulez, parce qu'il y a déjà beaucoup de gens qui sont intéressés à ce que veulent dire les mythes, leur signification profonde ou pas. Et à mon sens, c'est assez difficile de dire des choses un petit peu solides sur ces matières. Et puis, il y a déjà tellement que moi, je préfère mettre cette question-là de côté pour voir qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec les mythes, disons en les regardant évidemment avec un regard de mythologue, les gens qui étudient les mythes, mais aussi, disons, avec un regard d'archéologue, c'est-à-dire traiter ces objets qui sont en fait de la tradition orale
comme si c'était des objets archéologiques. Qu'est-ce qu'on peut faire en les regardant et en utilisant des méthodes qu'on utilise pour d'autres types d'objets. Voilà. Et alors évidemment, les mythes d'origine, il y en a beaucoup, donc on va se limiter. Et je vais parler des mythes anthropogoniques. Vous inquiétez pas si j'utilise des mots parfois un petit peu exotiques. Hein. Bon, arrêtez-moi s'il y a des mots que vous ne comprenez pas, c'est pas grave. Hein. Moi, il y en a plein que je ne comprends pas, des mots. Donc, voilà. Les mythes anthropogoniques, en fait, c'est une des catégories de mythes de création. Dans les mythes de création, les mythes d'origine, c'est la même chose. On distingue les mythes cosmogoniques. Donc, vous avez toujours gonique là-dedans, gono. Ça vient du grec, évidemment, c'est un mot grec, qui connote la naissance, la génération, plus exactement, qu'on trouve dans gonade, et c'est la même racine ultimement que genèse. Hein. La génération aussi, c'est de la même racine au départ. Et donc, les mythes cosmogoniques, ce sont les histoires qui nous racontent l'origine du cosmos. Et tous ces mythes d'origine sont des mythes, en gros, qui répondent aux questions de type les questions d'enfants, vous savez, qui nous demandent pourquoi il y a la Terre, bon, pourquoi il y a des gens, pourquoi on meurt. Ce genre de questions auxquelles vous savez qu'il est très facile de répondre, eh bien, les mythes répondent. Quand on ne sait pas quoi répondre, on raconte une petite histoire qui est la réponse à ces questions, en gros. Et donc, les mythes cosmogoniques, c'est une histoire qui nous expose pourquoi, disons, il y a quelque chose plutôt que rien, pourquoi il y a le monde. Et ces mythes ont toujours la même structure. C'est toujours des histoires qui disent, ah oui, d'accord, maintenant, on voit bien qu'il y a le monde, ça n'a pas toujours été comme ça. À l'origine, non. Et il s'est passé quelque chose, c'est ça que raconte le mythe, et ce quelque chose explique pourquoi, maintenant, les choses sont comme elles sont. Les mythes, ce sont donc des histoires qui nous exposent un moment de rupture entre avant, où c'était complètement différent de maintenant, et maintenant, il s'est passé quelque chose, c'est ça que raconte le mythe. Donc les mythes cosmogoniques racontent l'origine du cosmos, l'origine du monde. Ensuite, les mythes anthropogoniques vous racontent l'origine de l'humanité. Pourquoi il y a des gens? Bon, il y a des histoires qui vous expliquent pourquoi il y a des gens et qui vous disent « Ah, mais ça n'a pas toujours été comme ça. À l'origine, il n'y en avait pas et il s'est passé quelque chose. Maintenant, il y a des gens. » Et puis, il y a des gens, d'accord, mais disons que les gens, ils pourraient être tous unis et ne former qu'un seul peuple. Comment se fait-il qu'il y ait plusieurs peuples? Ce serait mieux si avec un seul peuple, il y aurait moins de guerres, par exemple, peut-être, etc. Donc, voilà, vous avez les mythes ethnogoniques qui vous expliquent pourquoi l'humanité est divisée en plusieurs peuples, ethnies. Et puis, au sein de chaque peuple, vous savez qu'il y a des puissants et des misérables, il y a des riches et des pauvres, il y a des exploiteurs et des exploités. C'est aussi quelque chose qui aurait pu ne pas avoir lieu. Donc les mythes vous expliquent, il y a des mythes qui vous expliquent pourquoi c'est comme ça. Ce sont les mythes sociogoniques qui vous expliquent pourquoi il y a différentes classes à l'intérieur des groupes humains, etc. Et puis finalement, vous avez des mythes qui... alors vous voyez qu'on voit de plus en plus dans le détail. On part d'abord du cosmos, puis les humains, puis à l'intérieur des groupes humains, pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi les gens parlent des langues différentes, etc., etc. Il y a toujours des réponses sous forme mythique. Et puis, disons, les réponses les plus détaillées, c'est ce qu'on appelle les mythes étiologiques. Ce sont les mythes qui vous expliquent les petits détails du monde. Pourquoi telle feuille est dentelée, telle feuille d'arbre est dentelée, et sur tel autre arbre, elle ne l'est pas. Pourquoi ? Pourquoi tel oiseau a du rouge sur la tête? Pourquoi, quand on écoute le chant de tel oiseau, on a l'impression qu'il dit quelque chose qu'on comprend? Ça, ce sont les mythes étiologiques qui vous expliquent des tout petits détails du monde. Moi, je vais m'intéresser aux mythes anthropogoniques, donc aux grands mythes d'origine, si vous voulez. Il y a des mythes de petites origines, la couleur d'un petit détail d'une aile de l'oiseau. Bon, c'est des petites histoires qui ne sont pas très engageantes, qui sont intéressantes, qu'on mémorise facilement, qui nous expliquent des choses sur le monde, qui ajoutent du sens au monde. Mais on sent bien que c'est quelque chose d'autre que les mythes qui nous exposent l'origine de l'humanité, par exemple. Et donc, j'ai choisi les mythes anthropogoniques qui nous expliquent l'origine de l'humanité parce que, a priori,
ce sont des mythes qui résistent au temps davantage que les autres. Comment ça ? Tout simplement, si j'ai une petite histoire qui vous explique pourquoi le pivert a du rouge sur la tête. Vous ne savez pas pourquoi le pivert a du rouge sur la tête. Je vous raconte une histoire qui vous l'explique. Et bien, vous allez la mémoriser, cette histoire, et puis vous pourrez la raconter à votre tour si elle vous a plu. Si elle ne vous a pas plu, vous l'oubliez. Si elle vous a plu, vous trouvez ça marrant, ben, à chaque fois que vous entendrez le pivert ou que vous verrez un enfant et en même temps le pivert qui chante, vous lui expliquerez, vous lui raconterez cette petite histoire. C'est des histoires qui ne sont pas très engageantes, disons, qu'on peut s'emprunter, qu'on peut raconter à table, qu'on peut raconter à n'importe quel moment. Par contre, les mythes anthropogoniques, c'est quand même un petit peu autre chose. Quand on a une histoire qui explique l'origine des humains, en vous expliquant par exemple que c'est un dieu qu'on peut nommer, qui un jour a créé l'humanité. Ce genre d'histoire, ce n'est pas des histoires qui s'empruntent facilement, comme les petites histoires qui expliquent les détails du monde. C'est des histoires généralement auxquelles on tient. Quand on a une de ces histoires-là, qu'on tient pour vrai, et qu'on rencontre quelqu'un d'autre, qui vient d'un autre endroit du monde, par exemple, et qui, pour la même explication, lui, a une autre histoire qu'il tient aussi pour vrai, mais qui n'est pas du tout la même, il n'arrive jamais que l'un des deux dise « Ah, oh, dis donc, elle est chouette, ton histoire, elle est quand même vachement mieux que la mienne, je vais plutôt raconter la tienne que la mienne. » Le jour à la télé, à la radio, dans les journaux, on voit que ça ne fonctionne pas comme ça. Quand les gens ont une histoire sur l'origine de l'humanité, sur ce que devient l'humanité après la mort, etc., les gens y tiennent et n'en changent pas facilement. Ce sont des histoires qui résistent au temps, beaucoup mieux que les petites histoires qui expliquent les détails du monde. C'est pourquoi je vais m'intéresser aux mythes anthropogoniques. Pour ça, au lieu de me lancer d'abord tête baissée dans des explications, comme beaucoup de mythologues font, je vais d'abord faire un inventaire. Parce que quand on dit mythe anthropogonique, en fait, la première question, c'est de dire, d'accord, on a compris ce que c'est, mais quels sont-ils, les mythes anthropogoniques? Où est-ce qu'on les trouve? Depuis quand on les trouve? C'est quoi la documentation, en fait? Alors, pour répondre à ces questions, j'ai constitué une base de données. C'est facile maintenant avec l'informatique de faire des bases de données. Autrefois, on faisait ça avec à la Leroy Gourhan, hein, avec une boîte en chaussures et puis une boîte à chaussures et puis des petites fiches. Bon, maintenant, l'équivalent des petites fiches en carton dans la boîte de chaussures, c'est les saisies d'écran comme celle-là. Ça, c'est une fiche de ma base de données. Et ma base de données, toutes les fiches sont réalisées de la même manière. Bon, voici une autre. Et vous voyez que j'ai plusieurs cases. Donc, dans cette case-là, je donne l'origine, le texte, tel qu'il a été recueilli, transcrit, avec tous les problèmes que ça pose, mais enfin la documentation telle qu'on peut en disposer, avec sa source, pour pouvoir vérifier le cas échéant. Et dans la langue originale de préférence, dans la langue de publication en tout cas. Et puis, cette histoire, ensuite, je la décompose en mythème. Qu'est-ce que c'est qu'un mythème? Disons que dans les histoires, le mythème, dans les mythes, le mythème, c'est la partie insécable. C'est des atomes de mythe. C'est le plus petit morceau de mythe possible. C'est les petites phrases qui, mises bout à bout, constituent l'histoire qu'est le mythe. Et lorsque j'ai, par exemple, là, c'est l'origine de l'humanité, il y a beaucoup d'origines possibles. Une origine possible, c'est qu'un jour, les humains sont descendus du ciel. Et il y a plusieurs possibilités. Ils sont descendus en descendant le long d'une chaîne, par un panier qui était porté au bout d'une corde, par une liane. Et il y a des variantes où ils sont tombés, simplement. Et donc, vous voyez que ici, j'ai chute. Donc, ce n'est pas le cas dans mon histoire. Mais si c'était le cas, je mettrais 1. Et comme ce n'est pas le cas, je mets 0. Voilà comment ça fonctionne, ma base de données. J'indique évidemment le nom de l'ethnie, du peuple, de la population dans laquelle le mythe a été recueilli. Ces gens-là ont un nom, comment ils s'appellent, on leur demande comment ils s'appellent eux-mêmes. Ceux-ci, ce sont les Namas. Les Namas, c'est une population d'Afrique australe. Et puis ensuite, je note la famille linguistique
à laquelle appartient la langue parlée par ces gens. Ici, ce sont les Khoisan. Les Khoisan, vous savez, ce sont les gens qui parlent des langues à clic, comme les Bushmen que tout le monde connaît, les langues où on a des clics dedans. Ça s'appelle des langues Khoisan. Voilà. Et puis, je note, puisque cette histoire a été racontée par quelqu'un un jour à un endroit précis, je note l'endroit où l'histoire a été racontée. Ce qui fait que mes fiches sont géoréférencées. Géoréférencées, ça veut simplement dire qu'à chaque fiche, il y a un point GPS qui correspond. Et donc, une fois que je fais ça, là, vous avez dans cette base de données-ci, il y en a plusieurs, on en verra d'autres plus tard, mais ça, c'est la base générale. Il y a 1357 mythes anthropogoniques dans cette base. Ça me permet ensuite, avec juste un ou deux clics, alors qu'autrefois c'était tout un travail à la main, eh bien de passer à une carte de répartition. Et voici donc la carte de répartition de la totalité des mythes anthropogoniques de ma base de données. Cette carte, c'est un type de carte que vous connaissez depuis l'école primaire. C'est la projection de Mercator. C'est la plus horrible projection possible. Quand on s'intéresse, quand on navigue avec la marine en bois, c'est excellent. Mais quand on s'intéresse aux répartitions des continents, aux rapports des peuples d'un continent à l'autre, c'est tout simplement horrible, tout simplement parce que vous regarderez, vous verriez tout de suite, par exemple, que l'Afrique est quasiment et légèrement plus petite que l'Amérique du Nord, les USA et le nord de l'Amérique, alors qu'en fait, l'Amérique du Nord tient très, 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 très largement à l'intérieur de l'Afrique. Et cette carte, en fait, est complètement fausse, à la fois parce qu'il n'y a aucune raison de mettre l'Amérique à gauche, la France au milieu. Et dès qu'on regarde ce genre de carte avec un œil critique, on s'aperçoit que c'est une carte qui nous fausse le regard sur le monde. Alors moi, je préfère, voici la même carte, avec une autre projection, qui est la projection quinconciale de Peirce. Peirce, c'est l'inventeur de la sémiologie, si vous connaissez. Et c'était un touche-à-tout absolument génial qui a fait des découvertes en mathématiques, en physique, en astronomie, etc. Et qui a conçu cette projection-là, qui est pratiquement la meilleure du monde, qui est une des meilleures du monde, parce que les proportions des continents entre eux sont respectées et la disposition des continents est également respectée. Et donc, je vais, autant que possible, utiliser ce type de carte le plus souvent possible. Vous voyez que c'est la même que l'autre. L'Afrique est ici, l'Amérique, l'Australie est là. Il faut simplement prendre l'habitude de regarder le monde de cette façon-là. C'est beaucoup plus fidèle à la réalité. Alors, je peux, évidemment, sur ce type de carte, projeter l'ensemble de mes mythes anthropogoniques, puisque l'intérêt d'une base de données, c'est de lui poser des questions. Et lui dire, bon, ah, bah oui, d'accord, les humains, dans certaines histoires, sont descendus du ciel, mais où est-ce qu'on raconte ça? Partout dans le monde, en certains endroits, je demande à ma base. Et tout de suite, j'ai la réponse, voici la carte de répartition des mythes où on nous raconte qu'un jour, les humains sont descendus du ciel. Petite incise, évidemment que je travaille, c'est pas moi qui vais collecter des mythes dans le monde entier. Et on peut me dire, oui, mais la carte de répartition, elle est très bien, là, ça a l'air bien. Mais bon, peut-être qu'il y a des problèmes quand même au point de vue de la documentation de base. On sait bien qu'il y a des milliers de populations qui ont disparu avant même que quiconque ait l'idée de noter leur langue, leur mythe, de faire leur ethnologie, disons, voilà. Et que ces peuples ont disparu et qu'on ne saura jamais ce qu'ils racontaient. Donc ça, il faut en faire son deuil et on ne fait le travail qu'on peut faire, c'est uniquement avec ce qui reste, notamment dans les bibliothèques. Est-ce que des gens continuent encore à recueillir de nos jours? Mais ces recueils ont été réalisés par des voyageurs, par des administrateurs coloniaux dans des colonies, par des ethnologues professionnels, par des ethnologues amateurs, par des simples curieux, par des voyageurs, des explorateurs, etc. Et donc, c'est de qualité inégale.
Et puis, c'est dû simplement aussi, la documentation, elle est liée au fait qu'un jour, quelqu'un a eu l'idée de noter, maintenant d'enregistrer avec un magnétophone, de noter ces histoires qui très souvent étaient regardées un petit peu de haut, notamment par les missionnaires. Et donc, on peut se dire, ah, mais ce qu'on en connaît finalement, c'est tout à fait lié à la présence des gens qui ont noté ça, et peut-être que la carte, elle témoigne davantage de la présence des gens qui ont noté les histoires que de la réalité même de ces histoires. Et notamment, on s'aperçoit que dans la carte, il y a des trous. Il y a un gros trou, par exemple, il y a des trous ici, il y a des trous dans la carte. La question, c'est, est-ce que ces trous témoignent d'un problème de documentation, d'un biais de documentation, ou bien, malgré tout, s'il y a un trou, c'est parce qu'il n'y avait rien. La réponse, elle est complexe, elle n'est pas simple, mais grosso modo, pour la plupart des trous, par exemple ce trou-là, ben là, il y a un désert qui s'appelle le Sahara. Ça veut dire que là, il n'y a pas grand monde. Et donc les histoires, il n'y en a pas beaucoup par rapport aux endroits où il y a beaucoup de monde. Et en plus, les gens qui vivent là, c'est des gens qui ont été islamisés. Donc si on les interroge sur l'origine du monde, ils vont tous raconter la même histoire que celle qui se trouve dans un livre qui s'appelle le Coran. Et c'est vrai pour tous les autres trous, c'est soit il s'agit de déserts et ou d'endroits où les gens ont été christianisés, islamisés, quelque chose isé, que ce que vous voulez, qui font qu'ils racontent tous la même histoire et que les mythes traditionnels, les histoires traditionnelles ont grandement disparu. Et donc, je considère que ma documentation, finalement, elle n'est pas trop biaisée. Elle l'est un peu, mais pas trop. Évidemment, là, je m'appuie sur des bases de données. Je ne suis pas le seul à les avoir faites. On en parlera après, si vous voulez. Mais derrière ces cartes, il y a des répertoires de plusieurs dizaines de milliers de mythes. Notamment un qui a été réalisé par quelqu'un qui s'appelle Yuri Breskin. Ce seul répertoire-là compte plus de 40 000 mythes. Donc j'extrais de ça, puis j'ajoute moi ce que je trouve en mythes anthropogoniques. Voilà, par exemple, ce vide ici, ce vide s'explique tout simplement, non pas par un biais de documentation, mais par le fait qu'on peut toujours aller là et continuer à vouloir documenter. Il n'y a vraiment pratiquement aucune chance pour qu'on trouve des mythes d'origine un peu différents de ce qu'on trouve dans le Coran. Voici la répartition d'un autre mythe dont on parlera plus tard, qui est le mythe de l'émergence primordiale. Qu'est-ce que c'est que le mythe de l'émergence primordiale? En deux mots, c'est une histoire qui vous raconte que, ah ben oui, s'il y a des humains sur Terre, c'est tout simplement parce que, au début, il n'y avait personne sur Terre, tout simplement parce que les gens vivaient sous Terre. Et un jour, ils sont sortis à l'air libre, et une fois sortis par un trou, par une grotte, en creusant eux-mêmes, ou par un animal qui avait creusé, ou parfois c'est une divinité qui fait un trou, les gens sortent et ils se répartissent dans le monde entier. C'est ça, en deux mots, le mythe d'émergence. Ça peut être l'émergence primordiale de l'humanité, ça peut être l'émergence primordiale des humains, et ça peut être les deux. Comme par exemple dans les Tsodilo Hills, au Botswana, où on m'a raconté cette histoire pour la première fois. Moi, je m'intéresse à l'art rupestre, comme certains savent ici. Et donc, je suis allé là-bas pour voir les peintures rupestres. Et c'est un endroit assez touristique. Donc, les gens là-bas, ils en voient passer, des gens qui viennent voir les peintures rupestres. Et c'est un peu comme chez moi, j'habite dans le sud Vendée, les gens qui visitent les mégalithes. Bon, le premier mégalithe, c'est bien. Le deuxième, c'est bien. Le troisième, c'est bien. 5, 6, bon, 10, une fois que tu en as vu 10, tu les as tous vus. Hein. Bon. Et les gens, ils en ont marre. Les peintures rupestres, c'est pareil. Les touristes, ils en ont vite marre. Bon, ils prennent des photos, mais bon, après, ils trouvent que c'est toujours un peu la même chose. Donc, voilà, et ça les fatigue. Et ils en ont vite marre. Et moi, en fait, je n'en avais jamais marre. Et je demandais toujours, et là, il n'y a pas un truc, et là-bas, on peut peut-être aller là, etc. Donc, ils m'ont repéré, les gens du coin, et ils m'ont dit, oh, bah, ils se sont dit, celui-là, tiens, ça a l'air de lui plaire. Et quelqu'un est venu me dire, si tu veux, on peut te montrer un truc que normalement on ne montre pas aux gens, mais voilà, qui est vraiment très important. Et je me suis dit, oh, trop, trop bien, ils vont me montrer alors, la peinture rupestre absolument géniale que personne ne connaît. Je voyais déjà la publication au bout et tout ça. Et il m'amène ici, à
Alors là, je me suis dit, bon, d'accord, je me suis fait avoir. Et il m'explique que c'est là que sont sortis les premiers humains. Et ils sont sortis de là par ce petit trou que vous voyez ici, qui fait, dans sa plus grande dimension, quelque chose comme 20 cm. Les humains sont sortis là, et les animaux aussi sont sortis là un jour. Ils vivaient autrefois sous terre, et ils sont sortis, se sont répandus partout. Et ils ont ajouté la preuve que c'est vrai, parce qu'évidemment, les mythes sont des histoires vraies. Pour les croyants, ce que disent les croyants, c'est évidemment la vérité. C'est les incroyants qui pensent que ce n'est pas vrai. Donc, la preuve que c'est vrai, c'est que sur la pierre d'à côté, ici, vous voyez les traces des doigts des premiers humains qui se sont agrippés ici pour se hisser à la surface, parce que ce n'était pas facile, et on comprend que ce n'était pas facile vu la taille du trou. Et ils ont laissé des traces parce que tout ça se passait à l'époque où les pierres étaient encore molles. Alors, les géologues ici savent que, en fait, ces rayures, c'est du grès, la pierre. Ça s'appelle des ripple marks en géologie. C'est les, sur les rivages, hein, les petites cannelures formées par les vagues qui vont et viennent, et ça se fossilise. Comme disait Théodore Monod, le grès, c'est de l'ancien sable et du futur sable. Et donc, voilà, ça donne ça. Nous autres, très malins, qui savons tout, nous savons que ce ne sont pas les traces de doigts des premiers humains, mais c'est ce qu'on raconte pour dire que l'histoire est bien vraie. Et ça, c'est quelque chose qui revient très fréquemment dans ces mythes. Il y a on ne vous raconte pas ça, ce n'est pas une histoire qu'on raconte en général. Ce n'est pas du genre, hein, il était une fois dans un château, une princesse qui... Quel château, à quelle époque, comment elle s'appelait la princesse, tout ça, on ne saura jamais. Ce type de mythe, on sait. On sait que c'est à tel endroit, on peut vous le montrer, on peut vous dire quand, le nom porte, il y a un nom à cet endroit, etc. Tout ça est très bien documenté dans la mémoire des gens. Et très souvent, il y a ce qu'on appelle un effet de vérité. C'est-à-dire qu'on vous montre quelque chose qui prouve la véracité du mythe. Ou alors, c'est le mythe qui prouve la véracité de la localisation. Donc, on m'a raconté ça. J'ai noté, sans trop faire attention, mais j'ai noté quand même. Et longtemps après, dans l'Utah, à un endroit qui s'appelle Birthing Rock, mon ami Bertram Tsavadava, que vous voyez ici, qui est un Indien Hopi, m'a expliqué que les gravures qu'on voit sur ce rocher, gravures sur lesquelles s'interrogent les archéologues, il y en a qui disent « Ah, mais c'est sans doute une femme avec une énorme cupule sexuelle, ça doit être un symbole de fécondité, sans doute. » D'autres disent « Pas du tout, c'est un homme qui est atteint, qui a une maladie, une espèce d'énorme éléphantiasis, voilà, c'est des choses qui arrivent, voilà, et qui a des testicules énormes, mais bon, voilà. » Et puis, vous avez tout un tas d'hypothèses. Et Bertram Tsavadava, lui, il me dit « Ah, mais c'est tout simplement le mythe d'origine des Indiens Hopi, qui vivaient autrefois tous sous terre, jusqu'à ce que l'ancêtre découvre un trou dans le plafond et sorte, en emmenant avec lui toute la tribu. Et on voit donc l'ancêtre, le trou de l'émergence, et en dessous les traces de pas de la première dispersion de l'humanité selon les quatre orients. Un jour, en allant en Corée, je suis allé sur la petite île de Jeju, qui est au large de la Corée. Et là, on m'a montré ceci. Ça s'appelle les trous des trois clans, parce que là, il y a trois trous. Les trois ancêtres des trois clans qui vivent sur cette île, un jour, sont sortis par ces trois trous que vous voyez là. Et c'est tellement important qu'on a enclos tout ça dans par un mur, et qu'il y a un temple, et que tous les ans, jusqu'à nos jours, il y a une cérémonie pour fêter l'anniversaire de la sortie des trois ancêtres des trois clans. Et donc, je pourrais vous donner d'autres exemples, mais on va s'arrêter là, parce qu'en fait, il y en a des centaines. Ça pose évidemment une question, qui est la suivante. Comment se fait-il que ces gens au Botswana, dans l'Utah, à Jeju, au large de la Corée, raconte la même histoire? Ce n'est pas exactement la même histoire, d'accord, mais c'est quand même la même histoire, qui est l'histoire de l'émergence primordiale de l'humanité.
On ne peut pas imaginer que les gens de l'île de Jeju, la première attestation, je crois que c'est au 15e siècle, avaient communiqué ou ont communiqué avec les San du Botswana ou avec les Indiens Hopi de l'Utah. D'où viennent ces histoires? Comment se fait-il que les gens racontent la même chose? Sachant que, comme je vous raconte l'histoire, là, comme je vous l'ai raconté, c'est comme il ne faudrait jamais raconter les histoires. Parce que je la raconte en deux phrases, c'est nul. Raconter le mythe de l'émergence, ça prend une bonne demi-heure si on la raconte vite. Mais là, j'en avais déjà trois à raconter, vous pensez bien que je ne vais pas le faire. Mais c'est des histoires compliquées, avec plein de détails, et des détails qui ne tombent absolument pas sous le sens. Si on a le temps, on y reviendra. Et qui montrent que ce n'est pas juste dire « un jour, les gens sont sortis du sol ». Parce qu'à la limite, on peut se dire « bon, ça, c'est une idée qui peut naître de l'observation des plantes, quelque chose comme ça, par analogie ». Non. Parce que quand on vous explique, par exemple, que les gens sont sortis du sol par un trou au plafond, ils vivaient autrefois sous terre, tout allait très bien, sauf qu'ils étaient dans le noir. Mais bon, pas grave. Hein. Ils étaient immortels. Il n'y avait pas de nourriture, donc ils ne mangeaient pas, et c'est pour ça qu'ils étaient immortels, en fait. Un jour, il y a quelqu'un qui a vu une lumière, un petit ray de lumière au plafond, et qui s'est dit, alors ça, première nouvelle, c'est de la lumière au plafond. Et donc, ils se sont concertés, et ils ont envoyé la taupe pour élargir le trou, pour savoir un peu ce qu'il en était. Et la taupe, elle a élargi un petit peu le trou. Mais bon, ce n'était pas évident de voir. Alors, ils ont envoyé le blaireau. Et le blaireau, il a encore élargi le trou et on voyait vraiment qu'il y avait de la lumière de l'autre côté. C'est très bizarre quand même. Ils n'avaient jamais vu ça. Et du coup, on a envoyé l'ours qui a fait un gros trou et on s'est dit, bah ouais, là, de l'autre côté, il y a vraiment quelque chose de spécial. Alors, ils se sont dit, ce serait peut-être bien d'aller voir. Il y a plein de versions de cette histoire. Il y en a des centaines. Donc, il y a plein de moyens de sortir par le trou. Une des versions que j'aime bien, c'est qu'ils ont planté un arbre au pied du trou, puis ils ont attendu que l'arbre pousse. Et un jour, l'arbre, il est sorti par le trou, ce qu'on observe souvent dans les grottes d'ailleurs. Et là, ils ont pu grimper, ils sont sortis. Mais ce n'est pas si simple, parce qu'ils se méfiaient quand même un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? On ne sait pas non plus. Hein. Donc, peut-être c'est... Bon, on ne sait pas. Donc, on se méfie. Donc, ils ont décidé d'envoyer un émissaire, un explorateur, un peu, pour voir ce qu'il en était. Ils ont désigné quelqu'un qui a grimpé et sorti. Il est sorti, puis plus de nouvelles. Plus de nouvelles, plus de nouvelles, plus de nouvelles, plus de nouvelles. Donc, les autres en bas, ils vivaient leur vie, hein, tranquille. Et puis, ils l'ont un peu oublié. Et un jour, il revient. Et il revient, alors là, il est complètement métamorphosé, il dit « Ah non, mais là, non, mais tu verrais, non, mais là, oh, c'est incroyable de l'autre côté. Non, mais alors, c'est vert, c'est lumineux d'abord, c'est lumineux, mais, ah, ça fait même mal aux yeux tellement c'est lumineux. Et puis, le ciel bleu, enfin, incroyable, quoi. Et puis, c'est vert partout et tout, il y a des arbres, tout ça, puis alors des arbres fruitiers. Tu fais ça, tu prends un fruit, tu goûtes, c'est sucré, c'est savoureux et tout. Oh là là, enfin, je ne sais pas vous, mais moi, j'y retourne. » Les autres, ils se sont dit « Ah, quand même. » Et donc, ils se sont dit, bon, ben, peut-être c'est pas une mauvaise idée d'y aller. Alors, le chef, il a organisé tout ça. Alors, dans une variante, par exemple, c'est pas l'arbre, mais il monte par une liane. Hein, et pour accrocher la liane, ils ont demandé un oiseau, parce qu'évidemment, les oiseaux, ils peuvent grimper jusqu'au plafond. Il accroche la liane, voilà, tout le monde est prêt, les gens font la queue. Et ils montent, ils montent, ils montent, et ils sortent, ils montent, ils sortent, ils montent, et ils sortent, et voilà, ils espéraient tous sortir comme ça. Sauf que, alors ça dépend des histoires aussi, mais à un moment donné, arrive quelqu'un d'un peu spécial. Alors selon les histoires, c'est soit une femme enceinte, soit un bonhomme qui a deux têtes. Et le bonhomme, il a deux têtes, et alors donc il est beaucoup plus large que les autres, quoi. Hein, et ça dépasse un peu de chaque côté les têtes, alors il va pour sortir, et ça coince dans le trou. Et alors, il est coincé dans le trou, donc il y en a qui poussent par en dessous, ceux qui sont en dessus tirent, tout ça, et en fait, le type, il est resté coincé, et il est toujours coincé, et du coup, tous ceux qui n'étaient pas sortis, ils sont obligés de rester en bas. Ceux qui sont sortis, bah, ils étaient sortis, nous, on descend, ces gens-là, hein, voilà. Et, ou alors, il y a une autre variante où c'est, parmi tous les gens qui arrivent, arrive une femme enceinte.
Donc elle grimpe comme tout le monde, mais comme elle est enceinte, elle est beaucoup plus lourde que la moyenne, et donc paf, ça casse la liane. Et on n'a jamais réussi à accrocher la liane. Voilà. Et donc du coup, ceux qui étaient en bas, bah, ils sont restés en bas, et ceux qui étaient sortis, bah, ils sont restés sortis. Nous descendons de ces gens-là. Ce qui explique pourquoi les gens qui sont en bas, dans l'autre monde, ce sont ce que nous appelons les morts. Et nous, nous sommes les vivants. Parce que il y a une chose qu'ils n'avaient pas comprise, en fait, qu'ils ne pouvaient pas savoir. C'est qu'en sortant, d'accord, c'était super lumineux, c'était beau, et la nourriture était succulente. Mais justement, du fait qu'ils mangeaient, avec la nourriture, ils sont devenus malades, et avec la nourriture est venue la mort. Dans d'autres variantes, vous avez des récits qui vous disent qu'ils se doutaient de quelque chose depuis un petit moment, parce que dans le noir, là en dessous, ils entendaient des pas au plafond. Donc ils se doutaient bien qu'il y avait quelque chose de l'autre côté. Un jour, il y a eu de la lumière, etc. Blablabla, la même histoire. Ils sortent, le missionnaire sort, le premier. Et là, il trouve personne, sauf une très vieille femme qui était là, assise sur un rocher. Elle dit bonjour, voilà, elle discute un petit moment, puis dit, voilà, ça a l'air bien, hein, si nous, on viendrait bien là, ça, c'est, on ne veut pas déranger non plus, hein, est-ce que c'est, ça pose un problème si on vient Et elle dit, non, non, pas de problème, non, mais allez-y, bienvenue, au contraire, ça fera de la compagnie. Et ils sont sortis, etc. Et ils ne savaient pas que la vieille femme, c'était la mort. Donc, vous avez ce type d'histoire qui, comme disait Lévi-Strauss dans sa définition des mythes, explique à la fois plusieurs choses. L'origine des humains, où vivent les morts actuellement, sous terre, l'origine des maladies, l'origine de la vie brève, c'est-à-dire la mort. Souvent, les mythes sont des histoires qui expliquent d'une même haleine des choses que nous, avec une approche rationnelle, on n'aurait pas trop l'idée de mettre ensemble et d'expliquer avec une seule explication. Ça, vous tenez le coup, là ? Parmi toutes les histoires qui expliquent l'origine de l'humanité, il y en a une que tout le monde connaît, qui appartient à la catégorie des mythes de choroplastie. Qu'est-ce que c'est que les mythes de choroplastie ? J'aurais pas posé la question, j'aurais continué comme ça, personne n'aurait demandé, quoi. Alors que personne, hein, c'est quand même quelque chose, hein, je te jure. Bon. Choroplaste, c'est un mot grec encore. Ça désigne, le choroplaste, c'est un artisan en Grèce ancienne. C'est un artisan, c'est l'artisan potier qui fabrique des petites statues de Corée. Corée, c'est une jeune fille. C'est les petits statuaires, ils font des petites statuettes, quoi, voilà, qui représentent essentiellement des jeunes filles. Et par extension, eh bien, ce mot de choroplaste désigne tous les artisans potiers et en mythologie, les dieux potiers, comme en Grèce ancienne, Hnoum, par exemple, hein, qui, sur sa tournette, fabrique le monde à partir d'une boule d'argile. Donc les divinités choroplastes, les mythes de choroplastie, quand il s'agit d'anthropogonie, vous expliquent que les premiers humains ont été fabriqués à partir d'une boulette d'argile. La divinité primordiale prend un peu d'argile, la malaxe, fait une petite statuette, et voilà, l'anime, et nous voici. Voici donc la répartition de ces mythes. Parmi les mythes de choroplastie, il y en a un que je préfère, c'est le mythe du corps souillé. C'est un mythe de choroplastie, mais alors, vous voyez la répartition de ce mythe. Celui-ci, il fait partie de ces mythes que vous connaissez sans doute, qui sont des mythes dualistes, c'est la création dualiste du monde. Vous n'avez pas une divinité, vous en avez deux. Il y en a une qui est plutôt sympa, et il y en a une qui est plutôt pénible. Celle qui est plutôt sympa, elle crée des trucs, voilà. Et l'autre essaye de faire pareil, et à chaque fois, c'est la cata. Ou alors, intervient sur les créations de l'autre et c'est la cata. Alors, il y a plein d'histoires qui se racontent en France dans les petits contes, hein, étiologiques notamment, du type, voilà, bah, il y a une des. Nous, c'est, chez nous, c'est Dieu et Diable, elle s'appelle cette divinité-là. Hein. Et donc, vous avez Dieu qui crée l'abeille. Bah, c'est super l'abeille, le miel, tout ça, très bien, quoi, voilà. Et Diable veut faire pareil, pof, il crée le frelon. Et donc, des histoires comme ça, vous en avez plein. Ça s'intègre dans donc, ce qu'on appelle des mythes de création dualistes.
parce qu'ils sont deux, ils se chamaillent, ils ne sont jamais d'accord, il y en a un qui fait que des bêtises. Bon. Ici, ils sont deux. Et comme très souvent dans les mythes de création, il y a d'abord la cosmogonie, la divinité crée le monde. Et, ou les divinités, hein, ça dépend des, évidemment des mythes. Et très généralement, les dieux ou les déesses, une fois qu'ils ont créé le monde, ils sont plutôt contents d'eux. Enfin, même, ils se reposent après, au septième jour, terminé, ils ne font plus rien. Ils se reposent, ils sont contents, voilà, ils trouvent ça bien. Bon. Sauf que très souvent dans les mythes, au bout d'un petit moment, ils s'embêtent. Parce qu'il ne se passe rien. Ils ont créé le monde, bon, voilà. Et c'est, voilà, c'est pas marrant, quoi. Ça ne se passe pas grand-chose. Donc, ils se disent, il faudrait rajouter quelque chose pour que ce soit un peu plus animé, quoi. Voilà, là, c'est pas mal, mais bon. Voilà. Et donc, ils décident de créer l'humanité. Et au niveau animation, ils ne sont pas déçus. Et là, c'est le cas. Le dieu bon crée le monde. Il contemple ça, il s'ennuie. Il décide de créer l'humanité. Il prend deux petites mottes d'argile. Il les modèle, un homme, une femme. Il les contemple, trouve ça bien. Et puis il les pose là. Il attend et il ne bouge pas. Il ne bouge pas. Il se dit, mais non, mais franchement, mais où est-ce que j'avais la tête? Évidemment qu'il ne bouge pas, évidemment. Il faut les animer. Il faut mettre l'âme dedans. Il faut les animer au sens propre du terme. Quoi. Voilà, donc, et l'âme, ben voilà, l'âme, je l'ai oubliée là-bas, dans le coin là-bas, il faut que j'aille chercher l'âme. Et donc il s'apprête à aller chercher l'âme, mais il se dit, hop, si je laisse les petites statuettes là pendant que je vais chercher l'âme, l'autre, le dieu, vous savez, qui foire tout et qui n'arrête pas de faire des bêtises, qui là, dans cette zone-là, s'appelle très souvent Erlik. Que le mot dans les langues altaïques qui désigne la mort. Erlik, il va rappliquer, je ne sais pas ce qu'il va faire avec les statuettes, mais bon, je ne le sens pas. Quoi, hein, bon. Et alors, il se dit, qu'est-ce que je pourrais faire? Il a une idée. Évidemment, c'est le créateur. Quand même, hein, bon, ouais. Il se dit, tiens, c'est une bonne occasion pour créer le chien. Parce que le chien, c'est un gardien. Il va garder mes petites statuettes pendant que je m'en vais. Alors, il crée le chien. Mais à cette époque-là, le chien, il faut savoir que le chien était nu, sans poil, et il parlait. On peut discuter avec lui tranquille. Hein, voilà. Donc il discute un peu, le dieu, il explique un peu le cas, il dit, voilà, tu as les statuettes, là, voilà, tu les gardes, personne ne s'approche, voilà, fais gaffe, parce qu'il y a l'autre là qui s'appelle Erlik, il risque de rappliquer, je ne sais pas trop, bon, on ne sait pas, mais bon, voilà. En tout cas, les statuettes, personne n'y touche, personne ne s'approche. Bon, le chien, il dit, ouais, ok, pas de problème. Voilà. Et le dieu, il s'en va. Et évidemment, à peine on ne le voit plus, Erlik rapplique. Et Erlik, il voit le chien, il veut s'approcher des statues. Ben, le chien, il est là. Bon, donc Erlik, il voit que ça ne va pas être facile. Et vous avez vu dans quelle zone ça se passe. Là, c'est des endroits où souvent il ne fait pas chaud. Et le chien, il n'a pas de poils, il est nu. Alors Erlik, il lui dit, tu sais l'autre. D'accord, ils se vantent toujours de tout créer super bien, etc. Mais c'est jamais parfait ce qu'il fait. Tu vois, toi, il t'a créé là. Bah, c'est bien, d'accord, on est d'accord, c'est bien. Mais en même temps, t'as froid. Toi, tu grelottes là, je vois bien que tu grelottes, t'as froid. Donc, voilà, c'est ni fait ni à faire. Faudrait compléter, quoi. Faudrait faire quelque chose. Si tu veux, moi, enfin, c'est pas pour me vanter, mais si tu veux, moi, je peux t'offrir un manteau. Que tu pourras garder tout le temps, ta famille, tes descendants, tous les chiens du monde, ils auront ce manteau-là et vous n'aurez jamais froid. Voilà, si tu veux. Hein. Alors, le chien, il est là comme ça, il dit ah ouais, pas mal. Bon. Et Erlik, il continue en disant ouais, alors évidemment, il y a une petite condition. Hein, petite condition, c'est que simplement, tu me laisses m'approcher 5 minutes, une minute même, hein, rien, juste pour voir les statuettes-là, c'est tout. Le chien, il dit bon. Bah, une minute, ouais, bah, une minute, hein. Mais une minute, hein, d'accord, hein. Pas plus, une minute, d'accord, tu regardes, c'est tout, hein. Bon, d'accord, hein. D'accord, plof, il a un manteau de poil, super, il a chaud, il est vachement bien, l'autre s'approche des deux statuettes, il se penche au-dessus des deux statuettes, comme ça, il se racle un peu la gorge, et il crache deux énormes glaviots, un sur chaque statuette, il y a les gros glaviots verts, là, quand on est bien occupé, là, là. Et le chien se dit, oups, j'ai fait une bêtise. Mais trop tard, l'autre est déjà parti.
Et un petit moment après, le dieu bon arrive. Et de très loin, évidemment, il voit que le chien, il a des poils. Il dit, d'accord. Il va voir le chien. Il dit, écoute, je t'avais quand même bien expliqué. C'était pas compliqué non plus. Voilà. Alors, voilà le travail. Voilà. Bon, écoute, c'est très simple maintenant. Hein. Puisque c'est comme ça, bon, les poils, d'accord, tu gardes. Le manteau de poils, ouais, d'accord. Mais tu perds la parole. Plus jamais tu pourras parler. Tu essaieras de parler, mais ça fera le truc comme ça, mais tu ne pourras plus parler. Terminé. Voilà. En plus, tu seras dépendant des humains. Hein. Tu seras à leur service, tu garderas leur maison. C'est eux qui te donneront à manger. S'ils ne te donnent pas à manger, tu n'auras pas à manger. Et voilà, tu seras dépendant des humains, tu seras l'esclave des humains. Voilà, terminé. Voilà. Le chien, bon, il parle à queue basse. Et le dieu, il se retourne vers ses petites statuettes. Il dit, bon, alors, c'est pas le tout. Il prend les statuettes. Vraiment pas terrible. Quoi. Il prend un bouchon d'herbe, avec de l'herbe, prend un bouchon d'herbe, il frotte sur les statuettes pour enlever les glavios de l'autre là. Et ça part pas. Ça colle, ça part pas. Enfin, ça glisse dessus, quoi. C'est-à-dire que quand il arrive à frotter comme ça, hop, ça recolle par dessous. Donc il y retourne, il frotte, plaf, ça recolle. Enfin, il n'y arrive pas. Il essaye, il n'y arrive pas. Alors vraiment, c'est pénible, quoi. Donc, voilà, qu'est-ce que tu peux faire? Et d'un seul coup, il a une idée. Les statuettes, elles sont encore molles, elles sont en argile, elles sont encore un peu molles. C'est pour ça que ça colle aussi dessus. Alors, il prend chaque statuette et il les retourne comme un gant. Ce qui fait que tous les glavios qui étaient à l'extérieur se retrouvent à l'intérieur. C'est la raison pour laquelle nous, qui descendons tous de ces deux premières petites statuettes, à l'extérieur, ça va encore à peu près. Mais quand on regarde à l'intérieur, c'est quand même pas ragoûtant. Parce qu'il y a les glavios de l'autre, là. Et c'est la raison pour laquelle, régulièrement, nous tombons malades. Et quand nous tombons malades, eh ben, nous toussons, nous crachons, parce que nous essayons d'expectorer ce qui a été mis à l'intérieur. Et on n'y arrive jamais. Et un jour, on finit par mourir. Et donc, un autre mythe qui nous expose... Selon la définition de Lévi-Strauss, l'origine de l'humanité, l'origine du chien, l'origine des poils du chien, pourquoi les chiens aboient, pourquoi il y a des maladies et pourquoi nous mourons. Autant de choses que d'un point de vue, disons, scientifique, rationnel, moderne, on n'aurait pas trop l'idée de vouloir expliquer avec une seule explication ce que les mythes font. Alors ce mythe, voici sa répartition. Que vous voyez ici. Si je compare avec la répartition du mythe de l'émergence, il vous saute tout de suite aux yeux que cette répartition, elle est très différente dans un cas et dans l'autre. Et que si je superpose les cartes, en fait, ce qui se passe, c'est que la répartition de ces deux mythes, elle est complémentaire. Là où il y en a un, il n'y a pas l'autre. Et je pourrais continuer comme ça avec beaucoup d'autres mythes en comparant leur répartition. Ça, c'est une histoire que je vous raconte en deux mots. C'est l'histoire du plongeon créateur. C'est un mythe cosmogonique, celui-là. À l'origine, il n'y avait que de l'eau. Bon, ça nous dit quelque chose, hein, l'esprit qui planait sur les eaux, etc. S'il n'y a que de l'eau, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme être vivant? Des poissons, des animaux aquatiques et des oiseaux. Parce que les oiseaux volent au-dessus de l'eau et ils peuvent voler sans se poser. Et parmi les oiseaux, il y a des oiseaux qui sont encore mieux disposés pour vivre à ce moment précis de l'histoire du monde. Ce sont les oiseaux aquatiques qui se posent sur l'eau, qui volent au-dessus de l'eau et qui se posent sur l'eau. Et encore mieux, il y a des oiseaux qui volent au-dessus de l'eau, qui se posent sur l'eau et qui plongent. Notamment un oiseau qui porte justement ce nom, qui est le grand plongeon, qui est un oiseau qui est capable de plonger très profondément pour pêcher. Et l'histoire raconte que, à l'origine, il n'y avait que de l'eau. Le créateur dit, bon, si je veux poursuivre le plan, là, c'est un jour créer l'humanité, tout ça, bon, voilà, il faut d'abord qu'il y ait de la terre, parce que de l'eau, ça ne va pas le faire. Donc, il demande au grand plongeon, qui est vraiment le roi des plongeurs,
descends au fond de l'océan et ramène-moi un tout petit peu de limon afin que je puisse créer la terre avec. Le grand plongeon, pas de problème, j'y vais. Il plonge, et il y va, il plonge. Et en fait, au bout d'un moment, il est complètement essoufflé. Il n'a pas assez pris son souffle. Il a cru qu'il était trop malin, quoi, trop fort. Et il remonte à peine, presque asphyxié. Il n'a pas réussi. Donc Dieu est très en colère. Il lui dit, mais t'es vraiment un bras à rien, t'es un fier à bras et tout, un fier à elle, peut-être, plutôt. Et donc, ouais, c'est un peu, vraiment, c'était nul, quoi. J'ai demandé à un autre. Alors, il demande à un canard beaucoup plus petit qui, normalement, ne devrait pas pouvoir réussir. Et le canard plonge et il va beaucoup plus profond parce qu'il sent qu'il y a un challenge, là. Hein. Donc, il y va. Et en fait, il rate aussi. Et alors, il y a un tout petit canard de rien du tout qui est là. Et qui dit, ah, moi, je vais bien essayer. L'autre, il dit, oui, ben, d'accord. Les autres, ils ont raté, c'est même pas la peine, là. T'oublies. Hein. Bon. Si. Il essaye. Et évidemment, comme toujours dans les histoires où il y en a trois qui essayent, et celui sur lequel personne n'aurait parié, c'est lui qui réussit et qui ramène un petit peu de limon du fond de l'océan. Le dieu prend le limon, il fait comme ça, là, au-dessus, et le limon tombe sur la surface de l'eau, et là, il forme une espèce de gel qui s'élargit. Les oiseaux arrivent, avec leurs ailes, ils font un vent, ils provoquent un énorme vent qui, à la fois, élargit le gel et forme tous les continents, et en même temps, les solidifie, et c'est la terre sur laquelle nous marchons aujourd'hui. Ça, c'est le mythe du plongeon créateur. Voici par comparaison, les mythes qui nous exposent l'origine céleste de l'humanité. Vous voyez qu'en faisant une base de données, comme ça tout simplement, et des cartes, on voit des choses qui, simplement en écoutant les mythes ou en lisant les mythes, ne nous seraient jamais apparues. Plonge au créateur à gauche, émergence primordiale à droite, etc., etc. L'intérêt de tout ça, un des intérêts de tout ça, c'est que ça permet de répondre à une hypothèse qui est très souvent répétée, qui est l'hypothèse des archétypes jungiens. C'est une hypothèse qui sert de réponse à la question que j'ai posée au début, vous rappelez, qui est de dire, mais comment se fait-il que dans l'île de Jeju, au Botswana, dans l'Utah, on raconte la même histoire sur l'origine de l'humanité? Ces gens ne se sont jamais rencontrés. Hein, si on a des histoires très longues, compliquées, le mythe, par exemple, des Indiens Hopi, il faut quasiment une journée ou même plusieurs jours pour le raconter, selon les versions. Donc, c'est une histoire très compliquée, avec plein de détails et tout, qu'on retrouve à l'autre bout du monde. Comment ça se fait? Ce n'est pas les Hopi qui l'ont emprunté aux Coréens, hein, ni les Bushmen qui l'ont emprunté aux Hopi, ni le contraire. Donc, il n'y a jamais eu de contact historique entre ces gens. D'où ça vient? Alors, une des réponses qu'on entend très souvent, c'est « ce sont des archétypes ». Ça, c'est l'idée de Carl Jung qui nous dit les archétypes, c'est très simple, c'est que nous avons tous le même cerveau, dans sa structure en tout cas, et dans son fonctionnement. Et donc, du fait que nous soyons tous humains, eh ben, dans notre esprit viennent les mêmes idées. Peu importe la culture, peu importe l'époque, peu importe la langue, peu importe tout ce qui peut vous venir à l'esprit, de toute façon, viennent les mêmes mythes, les mêmes grandes images primordiales qu'il appelle des archétypes partout dans le monde. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit très souvent répété, qu'on voit ça dans très beaucoup de livres, on voit ça en analyse littéraire, on voit ça en préhistoire aussi, pour expliquer certaines images, etc. Mais dès qu'on fait des cartes, on s'aperçoit que c'est une idée complètement idiote. Ça ne fonctionne pas du tout. Parce que si, du fait que nous ayons le même esprit, les mêmes mythes jaillissent partout dans le monde, à toutes les époques, quelle que soit la culture, quelle que soit la langue, parce que nous avons le même esprit. Alors comment se fait-il que le plongeon créateur ne soit pas raconté par les aborigènes d'Australie? Ils n'ont pas le même esprit que le nôtre, peut-être. Ils n'ont pas le même cerveau que le nôtre, peut-être. On voit bien qu'il y a un petit problème avec ce genre de théorie. Cette théorie ne tient absolument pas la route. Cette théorie qui prétend à l'universalité de certains mythes ne fonctionne que si l'universel est réduit à l'Europe de l'Ouest, plus un tout petit bout de la Chine et du Tibet, dans les ouvrages de Jung, qui oublie complètement toute l'Amérique, ça fait quand même un sacré bout, qui oublie complètement toute l'Afrique, qui oublie complètement toute l'Asie du Sud-Est et qui oublie complètement l'Australie et tout ce qui tourne autour. Donc, c'est quelque chose qu'il faut maintenant complètement oublier et
S'il faut expliquer, s'il faut chercher une explication à ces répartitions, il faut la chercher ailleurs. Voilà le grand plongeon dont j'ai parlé. Alors, les méthodes utilisées pour trouver l'explication, c'est des méthodes compliquées, longues, etc. Je vais vous en faire grâce. Je vais juste vous montrer un petit exemple, qui est l'exemple de deux écotypes. Qu'est-ce que c'est qu'un écotype ? Écotype, c'est un mot qui est employé, qui est emprunté, disons, au vocabulaire des zoologistes et botanistes. Qu'est-ce que c'est qu'un écotype ? C'est une espèce particulière d'être vivant qui, à force de vivre isolé dans une île, par exemple, ou dans une vallée perdue, ou voilà, dans un endroit un peu coupé du monde et surtout coupé du reste des congénères de la même espèce, finit par dériver et prendre une allure un petit peu différente sans pourtant que ce soit une autre espèce. Disons que c'est une espèce en voie de spéciation. Et bien, ce terme d'écotype a été utilisé, emprunté par les gens qui s'occupent de tradition orale et qui s'occupent de mythologie. Un écotype, s'agissant d'un mythe, c'est une version d'une histoire qui est racontée dans un endroit qui n'est pas son endroit d'origine, qui a été colporté quelque part et qui là s'adapte à son nouveau milieu et est un petit peu modifié et on reconnaît ces modifications. On reconnaît l'histoire, ce n'est pas une autre histoire, mais elle est modifiée. Alors, un exemple pour vous montrer de quoi il s'agit, où je prends le plongeon cosmogonique, puisque vous l'avez bien en mémoire maintenant. Voici la répartition des mythes du plongeon cosmogonique dans lesquels il y a un primat du 3. Qu'est-ce que j'appelle un primat du 3 ? C'est que c'est une histoire dans laquelle il y a trois quelque chose. Vous vous rappelez de l'histoire ? Il y avait trois oiseaux. Alors, selon les cas, soit il y a trois oiseaux, soit il y a un oiseau qui plonge trois fois, il réussit la troisième. Soit l'histoire, ça dure trois jours. Soit il y a trois oiseaux qui plongent chacun trois fois et c'est le troisième plongeon du troisième oiseau qui réussit, enfin, etc. Où il y a du 3, du 3, du 3, du 3. Et donc, dans ma base de données, moi, je mets un petit 1 au lieu du 0 quand il y a prima du 3. Et donc, je repère des histoires dans lesquelles on insiste comme ça sur le 3. Voici leur répartition. Alors, quand vous voyez des cartes comme ça, il faut se méfier non seulement parce que c'est la projection de Mercator, mais aussi parce que c'est des petits points. Et les cartes avec des petits points qui se multiplient singulièrement à certaines périodes de sondage, par exemple, ou période électorale, tout ça, des cartes avec des petits points. Il faut s'en méfier des cartes avec des petits points parce que la tendance, c'est quand on a des petits points puis qu'on veut faire une aire de répartition, eh bien, on fait une patate après. Patate, c'est qu'on va faire un tracé autour. Voilà l'aire de répartition de ce mythe. D'accord. Et puis, une fois qu'on a fait l'aire de répartition, pour la comparer à d'autres et que ce soit plus lisible, on enlève les petits points, on ne garde plus que l'aire dans laquelle on met une couleur. Sauf que ça, c'est trompeur, parce que ça ne nous donne aucune idée de la densité de la répartition. Et donc, il vaut mieux utiliser des cartes de chaleur. Cartes de chaleur, c'est tout simplement des cartes dans lesquelles on utilise des couleurs en fonction du nombre de documents. Plus c'est rouge, plus c'est chaud, plus il y a de documents. Plus c'est froid, vert, bleu, moins il y en a et finalement pas du tout. Et donc vous voyez que la répartition, les zones de plus haute densité des histoires dans lesquelles il y a le primat du 3, il y en a deux, une en Europe de l'Ouest, une en Amérique du Nord. Bon. On garde ça en mémoire. Et on passe au primat du 4. Puisque dans ma base de données, évidemment, à chaque fois qu'il y a des chiffres, des comptes, des nombres dans les histoires, je le note. Et bah, parfois, je vois qu'au lieu de trois oiseaux, il y en a quatre. Ça dure quatre jours, etc. Ils s'éloignent dans les quatre directions. Vous vous rappelez qu'au début, quand j'ai parlé du mythe d'émergence, les gens s'éloignent quand ils sont sortis de terre et s'éloignent selon les quatre orients. C'est quelque chose qui est extrêmement important en Amérique. Et bien, je le note. Et donc là, c'est facile de voir la plus haute densité. C'est juste en Amérique du Nord. Comment expliquer ça ? Pourquoi du 3 ? Pourquoi du 4 ? Quand vous racontez une histoire, votre intérêt, c'est que ça intéresse les gens. Donc, si vous racontez cette histoire-là, en disant, ouais, ben, un jour, pour créer la Terre, eh ben, Dieu il a demandé à un oiseau de descendre et puis de ramener de la Terre, puis il a ramené de la Terre, et puis voilà, ça a fait la Terre. Bon, terrible comme histoire quand même, hein, c'est pas bon.
si je veux intéresser les gens, c'est quand même mieux si j'introduis un petit suspense et que je fais durer un petit peu l'histoire. Et que, par exemple, l'oiseau ou plusieurs oiseaux, il essaye, il rate. Ah, on ne sait pas trop si ça va marcher. Il essaye une deuxième fois. Ah, c'est pas sûr qu'il réussisse. Peut-être que oui, peut-être que non. Ça dure un peu l'histoire. Il y a un suspense qui s'établit. Et donc, on voit bien que c'est mieux d'avoir plusieurs épisodes qui se répètent un petit peu différemment, comme c'est le cas très souvent dans les contes et dans les mythes. Parce que ça introduit, voilà, ça soutient l'attention, ça introduit un suspense, voilà, tout simplement, et ça rend l'histoire plus intéressante. Puis on ne sait pas trop si ça va bien marcher à la fin. Et on voit bien que si je fais un seul plongeon, bah, ce n'est pas terrible. Si j'en fais deux, c'est un peu mieux. Trois, ça va, comme je l'ai raconté tout à l'heure. Quatre, ça va aussi, en fait. Cinq, six, douze, 23, 624, 2832, non. Non, si on ne veut pas que tout le monde soit endormi avant la fin de l'histoire, il faut quand même rester raisonnable, limiter le nombre d'épisodes. Et on sent bien que 3, 4, c'est bien. Mais pourquoi 3 plutôt que 4? Ou plutôt, pourquoi 4 plutôt que 3 en Amérique? À votre idée. Pourquoi la même histoire? Elle est racontée à la fois en Eurasie et en Amérique avec du 3, avec un primat du 3, et elle n'est racontée que en Amérique avec du 4. Pour quelle raison? Pardon, j'ai pas entendu. Plus tardif, oui. Mais c'est, alors, avant même de parler de chronologie, c'est typiquement un écotype. En fait, on peut se dire que ce soit 3 ou 4, ça ne change pas grand-chose à l'histoire. Ça rajoute un petit peu de suspense, mais c'est pas non plus, on supporte qu'il y en a un de plus, quoi. Un épisode, ça va, c'est pas comme si j'en rajoutais 12. Hein. On sent bien, bon. Donc, doit y avoir une autre raison. En Eurasie, en Europe occidentale notamment, puisque c'est là qu'est le point de plus haute densité, eh bien, on sait que depuis Dumézil et la répartition trifonctionnelle de tout ce qui concerne notre vision mythologique du monde, ça marche toujours par trois. Parce que notre vision du monde, elle est trifonctionnelle. Nous pensons le monde en trois niveaux. Il y a le monde uranien, le monde terrestre, le monde chthonien. Il y a le ciel, la terre et sous la terre. Il y a le ciel vers lequel on va quand on meurt ou la terre vers laquelle on va quand on meurt. Et les mondes des vivants, c'est la surface de la terre. Ça, c'est notre façon de voir le monde qui nous paraît parfaitement normal. Ça paraît tellement normal, mais c'est parce que c'est la nôtre. En Amérique, ce n'est pas comme ça qu'on voit le monde. Ce qui prime, ce n'est pas une vision verticale du monde, c'est une vision horizontale selon les quatre orients. C'est pourquoi les mythes Hopi insistent beaucoup sur le fait que les premiers humains sont partis dans les quatre directions. Et quand vous examinez les mythes, les mêmes histoires qui sont racontées en Eurasie, ou en Europe, ou en Afrique même, et qui sont racontées en Amérique, partout où vous avez trois épisodes ou trois héros, trois frères, etc., trois jours, trois nuits en Eurasie, vous avez quatre en Amérique. Parce que les mêmes histoires sont passées de l'autre côté et là, elles ont été adaptées à une autre vision du monde. Il s'agit d'un écotype à base 4, si je peux dire. Et donc, ça apporte effectivement une hypothèse, pour le moins, de chronologie où effectivement ces histoires. On sait bien quand même que l'Amérique a été peuplée après l'Eurasie et encore après l'Afrique, et que donc on a quelque chose, on commence à sniffer, disons, quelque chose de l'ordre d'une chronologie des mythes. La base de données que je vous ai montrée au début, c'est une base générale où une des cases correspond à l'émergence primordiale. Mais ensuite, j'ai des sous-bases, si je peux dire. J'ai une base rien que pour l'émergence primordiale, une autre pour les mythes de choroplastie, etc., etc. Voici ma base pour les mythes d'émergence primordiale. Alors, c'est le même principe que l'autre. Hein. Je raconte l'histoire. Le mythe est décomposé en sémitèmes. Quand le mythème est présent, par exemple, vous avez l'émergence primordiale de l'humanité. On vous dit, les humains sont sortis du sol. C'est une femme qui est sortie en premier. Ou bien, c'est un homme qui est sorti en premier. On vous donne ce détail. Alors moi, c'est un mythème, ça, parce qu'il y a une variation possible. Et donc, si c'est, parmi ma liste, j'ai un homme sort en premier, je mets 1 si c'est le cas, 0 si ce n'est pas le cas, une femme sort en premier, je mets 1 si c'est le cas, 0 si ce n'est pas le cas, etc. Et donc, ça va me permettre
comme tout à l'heure, de faire des cartes, de poser des questions, etc. Si je zoome sur l'Afrique, à propos du mythe de l'émergence, voici les mythèmes qui sont attestés en Afrique. Je leur donne un petit numéro. Alors évidemment, les numéros, c'est moins sexy que les histoires, mais c'est plus facile pour s'y retrouver rapidement. Et donc, premier mythème, émergence des animaux. Deuxième, des humains, directement du sol, d'un rocher, d'une grotte, etc., 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 etc. Voici, pour l'Afrique, j'ai répertorié 26 mythèmes possibles dans les mythes d'émergence de l'humanité primordiale ou des animaux. Une fois que j'ai fait ça, eh bien, je peux retourner voir mes histoires et effectivement repérer quels sont les mythèmes qui sont attestés. Par exemple, je prends cette histoire qui est racontée par, qui a été notée par le révérend John Campbell en 1822. Je vous donne la traduction, ça c'est le texte original. Voici la traduction. Cette histoire vous dit, eh bien, rappelez-vous, c'est toujours des histoires localisées. C'est pas il était une fois dans un pays lointain, un château, je ne sais pas quoi. C'est Amarotse. Tout le monde sait où c'est. Amarotse, il y a un grand trou d'où sortirent les premiers hommes, dont les empreintes sont toujours visibles là-bas. Et il y a longtemps, un homme en est sorti, mais il est retourné. Et il s'y trouve toujours. Le bétail est également sorti du même trou. Le premier homme s'appelait Matome. Et il avait un jeune frère du même nom et une sœur nommée Matomi. Elle, elle fut la première à sortir du trou. Et elle était chargée de s'occuper du bétail. Mais son frère Matome sortit aussi et il le laissa s'échapper. De colère, sa sœur, qui possédait une drogue de vie et de santé, retourna au trou et l'y jeta, ce qui fait que la maladie et la mort règnent dans le monde jusqu'à maintenant. Une fois de plus, vous avez toujours une seule histoire qui vous explique l'origine des humains, l'origine du bétail, l'origine des maladies, l'origine de la mort. Une seule histoire vous explique tout un ensemble de faits qui, pour nous, sont complètement disjoints. Une fois que je sais faire ça, je peux résumer mes mythes de cette manière-là. Et là, par exemple, je vais prendre le mythe Kong de l'émergence. C'est des gens qui parlent une langue polissane, comme vous venez de l'entendre. Ce mythe, voici les mythèmes qui sont donc associés. On parle de l'émergence des animaux, numéro un, émergence de l'humanité, la sortie se fait par un trou du sol, c'est une femme qui sort en premier, mythème numéro 13, une partie des humains reste sous terre, et ce mythe explique aussi l'existence des maladies et de la mort. Et autour du trou, on voit des traces, comme on me l'avait montré, au Botswana, dans les Tsolilo Hills. Une fois que j'ai ça, eh bien, je peux remplacer chaque mythème par son numéro. Alors, vous me direz, bon, pourquoi faire ça? Tout simplement parce que ça permet de faire une matrice. Une matrice, c'est très simple. Qu'est-ce que c'est qu'une matrice? C'est un rectangle avec des chiffres. Et donc, voici la matrice que je fais. C'est facile à lire. Chaque ligne, c'est un mythe. Si vous connaissez le code, en voyant cette ligne, vous pouvez raconter le mythe. Ici, Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Est, Afrique centrale, Afrique du Sud, etc. Ici, le nom du peuple chez lequel l'histoire a été racontée. Ici, la famille linguistique, Afrasien, Niger-Congo, Nilo-Saharien, etc., Khoisan, etc. Et ensuite, ici, ce sont les mythèmes. Un, ce sont les animaux qui sortent. Deux, les humains sortent. Et à chaque fois, vous avez 0, 1, 0, 1. Alors évidemment, c'est beaucoup moins sexy que de raconter une histoire. Sauf que ça permet quelque chose qu'on ne peut pas faire en utilisant les histoires en entier. Ça permet de les comparer facilement. Si vous comparez une ligne et une autre, imaginez le cas de figure où vous avez des zéros partout sur la ligne, et une autre ligne où vous avez des zéros partout aussi. Ben, c'est le même mythe. Des 1 partout, puis des 1 partout. C'est le même mythe. Mais s'il y a des zéros partout, puis l'autre mythe, vous avez 0, 0, 0, 0, 0, puis il y a 1. Ah, il y a une petite différence. Ce n'est pas le même mythe exactement. Et donc, je peux mesurer le nombre de 1, le nombre de différences. Et en fait, en faisant ça, je fais exactement la même chose que les phylogénéticiens qui reconstruisent l'arbre de la vie en utilisant l'ADN. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai remplacé mes mythes par des codes, par un code.
Les phylogénéticiens qui reconstruisent l'arbre de la vie, évidemment qu'ils n'utilisent pas les êtres vivants eux-mêmes pour faire ça, c'est pas possible. Tout comme moi, j'utilise pas les mythes. Ils utilisent des codes qui tiennent la place. Le code de l'ADN, c'est pareil, c'est une ligne. Beaucoup plus compliqué que ça, mais voilà, c'est une ligne. Et puis en face, vous avez ce qu'on appelle un taxon, une espèce. Ben là, même chose, j'ai pas un taxon, j'ai un mythe. Et en face, une ligne qui codifie le mythe. Et je vais maintenant pouvoir utiliser les mêmes outils que les phylogénéticiens, les mêmes logiciels qui leur permettent de fabriquer des arbres de la vie. Et je mouline la matrice, c'est-à-dire uniquement les chiffres. Je ne mets pas ça dedans, évidemment. Je ne l'explique pas au logiciel d'où viennent les mythes. Je ne leur raconte pas. Je leur donne juste les mythèmes. Voici par exemple, voici un exemple. C'est le mythe que je vous ai raconté, le mythe coïssant que je vous ai raconté tout à l'heure, celui que racontait le révérend dans son livre. Et vous voyez que comment ça fonctionne. À chaque fois que j'ai un mythème qui est attesté, eh bien, je mets un 1 ou un 0. Et comme ça, j'ai un code, une ligne de code par chaque espèce, si vous voulez, qui est en fait un mythe. Au lieu que les généticiens, eux, s'occupent d'êtres vivants, d'espèces vivantes biologiques. Mais finalement, les mythes, ce sont des espèces d'êtres vivants qui, eux aussi, se multiplient et transmettent leur code avec modification, selon Darwin. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Une fois que je fais travailler mon logiciel, j'obtiens un arbre. Voici l'arbre que fabrique. Je passe sur les méthodes. C'est expliqué dans des tas de livres très compliqués. Si ça vous intéresse, je vous donne la référence, voilà, à gauche. Mais le résultat, c'est celui-ci. C'est un arbre qui retrouve, qu'est-ce que je vois à la base de l'arbre ? Les mythes d'Afrique australe, les mythes Khoisan. Et ensuite, les mythes afrasiens, de langue afrasienne. Vous pouvez me dire, quel rapport entre les Kabyles et Sumères ? Eh bien, c'est la même famille linguistique. C'est la famille afrasienne qu'on appelait autrefois mythosémitique. Et puis ensuite, vous avez tous les mythes bantous dont on sait qu'en Afrique, c'est une diffusion secondaire, ultérieure. Et en fait, sans que je donne au logiciel aucune indication de localisation des histoires, sans que je lui donne aucune information sur qui raconte l'histoire à quel endroit, uniquement avec les histoires schématisées sous forme d'un code, eh bien, ils retrouvent leur provenance et ils me proposent un arbre qui est une sorte d'arbre du vivant qui me donne comme hypothèse que les versions les plus anciennes étaient des versions d'Afrique australe qui se sont ensuite diffusées ailleurs en Afrique avec la dernière diffusion par la migration bantou. Et je peux faire la même chose avec le monde entier. Ça, c'était juste l'Afrique. Voici ce que ça donne si je fais ça avec le monde entier. Alors évidemment, c'est un petit peu plus compliqué et plus difficile à lire parce qu'il y a beaucoup plus d'items. Mais si je surligne, c'est pareil, je n'ai pas dit au logiciel d'où venaient les mythes, qui les racontait, quelle famille linguistique était attestée dans les histoires. Mais moi, je le sais. C'est-à-dire qu'une fois que le logiciel a fabriqué l'arbre, je peux l'ajouter. Et voici ce que ça donne. Le temps s'écoule de gauche à droite, selon une vieille habitude que nous avons. Et ensuite, si je replace les localisations, voici les mythes de provenance africaine, et notamment d'Afrique australe. Voici ensuite les mythes d'Eurasie, d'Océanie. Et tout à fait au bout des branches, ce sont les mythes américains. C'est-à-dire que sans que j'intervienne, avec les mêmes logiciels qui servent aux généticiens pour reconstruire l'arbre vivant, l'évolution des êtres vivants, en fait, je reconstitue une évolution de mon mythe, ou de mes mythes, parce que je peux faire ça avec plusieurs. Et donc l'hypothèse qu'on peut formuler à ce moment-là, c'est que ça ressemble fort, effectivement, à une diffusion à partir de l'Afrique. Ce qui peut se comprendre, puisque les gens qui sont sortis de l'Afrique, plusieurs fois, il y a plusieurs sorties évidemment, ils sont sortis avec dans la tête
leur vision du monde et leur explication du monde, de pourquoi il y a des gens plutôt que rien, comment le monde est créé, pourquoi, qu'est-ce qui se passe quand on meurt, et toutes ces choses que nous avons tous, nous autres humains, dans la tête. Nous avons tous des histoires pour expliquer ça, eux aussi. Et ces histoires, certaines d'entre elles du moins, ils les ont emportées partout dans le monde, très probablement en suivant le chemin qui vient d'être constitué il y a 15 jours par la plus grande étude jamais faite sur le génome humain, qui retrouve, uniquement en utilisant les génomes, qui retrouve les grandes voies de diffusion de l'humanité. Vous avez ici le nombre d'années, le nombre de générations, et vous voyez la sortie d'Afrique et la diffusion. Mon hypothèse, c'est que le mythe de l'émergence primordiale de l'humanité, il a suivi le même chemin. Travail extraordinaire, auquel je fais juste un petit reproche, c'est que c'est une projection de Mercator, grosso modo, qui oublie que la Terre est ronde. Et donc la visualisation du passage en Amérique est un petit peu fausse, malgré que ce soit publié dans la revue Science. Mais on peut visualiser ça autrement. Comme ceci, par exemple. C'est grosso modo la même chose. Ou bien comme ceci. Ça, c'est grosso modo ce que savent les préhistoriens. Et l'hypothèse qui découle de tout ce que je viens de dire, c'est que le mythe de l'émergence primordiale de l'humanité, à mon sens, est probablement issu d'Afrique, est passé en Eurasie, a été jusqu'en Australie, est passé par les plates de Bering et a été jusqu'en Amérique du Sud. Et que le mythe du plongeon cosmogonique est plus récent. Il est né en Eurasie. Il est également passé en Amérique, mais disons qu'il a été moins loin, ce qui se comprend parce qu'il est plus récent. Et puis, le mythe du corps souillé est beaucoup plus récent et sa diffusion est beaucoup plus limitée. En fait, on a une espèce de diffusion. On a, de cette façon-là, à titre d'hypothèse, une chronologie des mythes, une chronologie des grands mythes, des principaux mythes d'origine de l'humanité. Évidemment, c'est une hypothèse. On serait bien content de pouvoir la vérifier, comme toutes les hypothèses, mais on sait qu'en sciences humaines, et puis plus on remonte dans le temps, plus c'est difficile, c'est très difficile d'avoir des certitudes absolues. On n'a souvent que des faisceaux de présomption. On se dit, ah, quand même, ça risque bien d'être ça. Comment vérifier ? Eh bien, une possibilité de vérification, c'est celle qui fait appel justement aux écotypes. L'écotype, c'est... Je suis conteur, j'ai mon répertoire, je connais des histoires, je sais très bien celles qui marchent bien. J'ai mon public, ça fait longtemps, aux noces, voilà, aux communions, tout ça. On me dit, allez, raconte un truc, tu sais bien, le truc que tu as raconté l'autre fois, là, c'était trop bien, raconte-nous-le, ou à la veillée, etc. Puis je dis, mais non, mais si, allez, puis je finis par raconter, évidemment, une histoire que tout le monde connaît. On me l'a déjà entendu raconter plein de fois. Mais c'est trop bien quand même, voilà, quand quelqu'un raconte, donc on va, allez, raconte. Mais comme les chansons, c'est pareil, allez, chante-nous le truc que tu chantais l'autre fois. Là. Bon. On raconte l'histoire. Si je me trompe dans mon histoire, comme tout le monde la connaît, les gens vont me reprendre. On me dit, bah, attends, l'autre fois, attends, il y avait trois oiseaux là, pourquoi t'en mets que deux ? T'es trompé là, les gens ils vont me reprendre si je me plante dans mon histoire. Parce que je fais partie d'une communauté dans laquelle tout le monde la connaît. Moi, je suis le conteur. Tout le monde n'est pas conteur, mais les histoires, en gros, presque tout le monde les connaît ou les a déjà entendues. Maintenant, imaginez que par suite de circonstances qu'on peut très facilement imaginer, je sois obligé de quitter mon pays et que je me trouve réfugié dans un autre pays qui n'est pas le mien, où les traditions, sans être totalement différentes, sont différentes. Où le système de valeurs, sans être complètement différent, est différent.
et que j'apprenne la langue, que je m'adapte, que je m'intègre, et que je finisse par vivre là tranquillement, et que je raconte quand même des trucs, mais entre en famille, comme ça, j'ose pas trop. Et puis finalement, les gens commencent par subodorer que quand même, je connais des histoires et qu'on va me demander de raconter. Donc, un jour ou l'autre, je vais être obligé de raconter au public. Au mariage, peu importe, un public de gens qui ne sont pas simplement mes proches. Et donc, comme j'ai un peu la trouille, que je n'ai pas l'habitude, je ne suis pas complètement chez moi non plus, voilà, je ne suis plus chez moi, je vais raconter ma meilleure histoire, celle dont je suis sûr que ça marche bien. Hein, que quand je dis tel truc, là, alors tout le monde rigole. Quoi. Et je raconte mon histoire, et je raconte le truc où tout le monde rigole, et personne ne rigole. Peut-être que ça vous est déjà arrivé, ce genre de truc. Hein. On raconte un truc dont on est sûr que ça va être super, et puis en fait, ça passe très moyen, parce qu'en fait, les gens à qui on le raconte, c'est pas exactement les gens qui apprécient ce genre d'histoire, ou bon, voilà, l'autre fois, c'était un peu différent pour des tas de raisons, et ça marche pas. Et imaginez que ça m'arrive, moi, en tant que conteur reconnu comme tel, et puis que ça m'arrive régulièrement, et bien, qu'est-ce que je vais faire très rapidement? Je vais changer mon histoire. Je vois bien le truc qui coince. Je vois bien que les gens ils trouvent bizarre le passage où je raconte ceci, cela. Ça marchait bien chez moi, mais il faut que je change. Je vois bien que ça ne marche pas. Je change. Et ça marche très bien. Donc je raconte ma nouvelle histoire un petit peu modifiée. C'est la même, mais un petit peu modifiée. Et les gens qui écoutent, en fait, ils entendent l'histoire modifiée. L'histoire originale, ils ne l'entendront jamais. Il n'y a plus que moi qui la connais. Donc on a tout un nouveau groupe qui connaît la nouvelle histoire, un petit peu modifiée, et qui devient un écotype. Parce que si dans le public, il y a une petite fille ou un petit garçon qui trouve ça trop bien de raconter des histoires, et moi je veux faire ça quand je serai grand, qui lui aussi racontera des histoires, qu'il aura apprises en écoutant d'autres raconter, il racontera les nouvelles versions. Et ce sera un écotype. Alors, si mon hypothèse est correcte, plus on s'éloigne de l'origine, du lieu d'origine, ou disons de l'ère d'origine d'une histoire, plus les écotypes se multiplient. Et c'est au plus loin de l'origine de l'histoire qu'on aura le plus grand nombre d'écotypes. Alors j'ai fait la carte des écotypes du mythe de l'émergence primordiale. Et voici ce que ça donne. En fait, tous les écotypes que vous voyez représentés, un ici et ensuite tout le reste en Amérique, il n'y en a aucun en Eurasie, aucun en Afrique. Et j'en conclus que l'idée selon laquelle cette histoire serait un jour sortie d'Afrique et aurait été emportée partout dans le monde par des conteurs qui l'ont un petit peu modifiée chaque fois jusqu'à ce qu'elle soit pas mal différente en Amérique du Nord, mais qu'on puisse, et en Amérique du Sud, mais qu'on puisse quand même la reconnaître, que cette idée, finalement, tient pas mal la route. Et pour terminer, je peux même aller plus loin, parce que les logiciels permettent de reconstituer l'histoire de chaque mythème. Je vous explique pas comment on fait, mais c'est un système qui permet en plus d'avoir l'arbre ici, le temps s'écoule du bas vers le haut, et ça permet à chaque nœud de l'arbre, comme disent les généticiens, de calculer le pourcentage de probabilité pour que le mythème soit présent. Et donc, si je prends, par exemple, le numéro 26, qui est celui de l'association à des gravures rupestres, où on vous dit « Ah, mais c'est vrai l'histoire, parce que tu as vu là, les traces de pas des premiers bœufs qui sont sortis, ben voilà, c'est les cupules là qu'on voit là, et ben c'est la preuve que c'est bien là qu'ils sont sortis, ou les traces de mains quand les pierres étaient encore molles, etc. » Cette association-là, en fait, eh bien, on la retrouve, je ne peux pas dire l'origine, parce que l'origine, on ne la connaîtra jamais, bien entendu, ça, il faut faire le deuil de la recherche de l'origine ultime, mais dès que l'histoire a été racontée, au plus loin qu'on puisse remonter, dès que l'histoire, qu'une version de l'histoire a été racontée, eh bien, ce mythème-là était déjà présent. Il avait en tout cas 97,5% de chances d'être présent. Et en calculant de cette façon-là, le pourcentage de chances de présence de chaque mythème
pour ce mythe, je peux reconstituer le mythe tel qu'il était au moment, aux environs de son origine. Et c'était un mythe qui racontait à la fois l'émergence des... Je conserve que les mythèmes qui ont au moins 97, 18, 99% de chances d'avoir été présents à la base de l'arbre. Et je découvre que c'était un mythe qui racontait l'émergence des animaux et l'émergence des humains, qui un jour sont sortis directement du sol, parce qu'il y a plein de variantes sur lesquelles je passe, et que ça explique aussi l'origine de la mort, et que des marques rupestres encore visibles justifient, expliquent, témoignent de la véracité de l'émergence primordiale des humains et des animaux. Et donc, cette histoire, vraisemblablement, a au moins, circule, disons, depuis au moins 100 000 ans, et sans doute beaucoup plus. Et si cette histoire circule depuis quelque chose comme 100 000 ans, si elle est sortie d'Afrique, avec les gens qui sont sortis d'Afrique et qui sont un jour arrivés jusque dans le Périgord, par exemple, avec dans la tête des mythes, alors c'est peut-être des petits mythes qu'on peut échanger qui ne sont pas très importants, mais des mythes importants auxquels on tient, comme celui de l'origine de l'humanité elle-même, eh bien, je pense que ça peut changer la façon de voir la coutume étrange qui consiste à retourner sous terre pour y dessiner des humains animalisés, pas totalement humains, pas encore vraiment formés, et pour y dessiner des animaux. Il me semble que ça pourrait ne pas être sans rapport. Et je vous remercie. Merci Jean-Luc Leclerc. Est-ce que quelqu'un veut réagir, poser des questions, creuser tel ou tel? En vous écoutant, merci d'abord pour tout ce que vous avez fait présenter là. Et en vous écoutant, je pensais à une technique qui est, qu'on applique souvent dans certaines sciences, qui est de regarder ce qu'on voit aujourd'hui pour essayer de faire des analogies avec ce qu'on peut observer par le passé. Voilà. Et alors, s'agissant des mythes, je pensais à... comment dire, à leur prégnance dans tous les systèmes de pouvoir. Par exemple, j'ai vécu longtemps au Pays Basque. Les Basques, en ce moment indépendantistes, ils n'arrêtent pas de passer leur journée, leur vie, à créer des mythes, à cultiver les mythes et autres. Si on prend pas d'autres mondes religieux ou de forgeage des nations, on trouve aussi toujours cette présence du mythe qui est forte pour imposer. Je voulais vous demander ce que vous évoque mon observation. Je pourrais être très, très... Oui, ça marche. Bon. Réponse très, très courte. Les mythes sont réactionnaires. Il n'y a pas plus réactionnaire qu'un mythe. Pourquoi ? Parce que les mythes vous expliquent que les choses n'ont pas toujours été comme elles sont. Du genre, avant, il n'y avait pas la mort, mais quelqu'un fait une bêtise et maintenant, on meurt. Bon, voilà. Et à chaque fois, la fin de l'histoire, c'est de vous dire, et puis maintenant, c'est comme ça, puis c'est comme ça, puis c'est comme ça, puis c'est comme ça, puis c'est pas prêt de changer, c'est comme ça. Y compris quand il s'agit de justifier les injustices sociales, par exemple. Je parlais des mythes sociogoniques plus tôt, hein,
qui vous explique pourquoi il y a des riches, des pauvres, des puissants, des misérables. On vous explique, ah, mais autrefois, ce n'était pas comme ça. Tout le monde était pareil. Il n'y avait pas de richesse, d'ailleurs, du tout. Tout allait très bien. Et il s'est passé quelque chose que raconte l'histoire. Et maintenant, ben voilà, il y a des pauvres, puis il y a des riches, puis il y a des puissants, puis il y a des misérables, puis c'est comme ça, puis c'est comme ça, puis c'est comme ça, puis c'est comme ça. Il n'y a rien de moins révolutionnaire qu'un mythe. Ce qui explique, notamment... Et puis, en plus, le mythe, c'est une histoire, donc c'est quelque chose qui est immédiatement perceptible, qui ne fait pas appel à un raisonnement complexe, etc. Ce n'est pas une démonstration. Le mythe montre, ne démontre pas. Le mythe, il dévoile une vérité. Il rajoute du sens au monde. Ce n'est pas une pré-science, comme on l'a pensé parfois. Quelque chose qui vient avant la science, puis maintenant on a la science, alors on est débarrassé du mythe. Tu parles ? Pas du tout. Le mythe est toujours là, les mythes sont toujours là. Et un des mythes les plus prégnants, c'est de penser qu'on serait débarrassé des mythes grâce à la science. C'est complètement faux. Et ça explique pourquoi, comme vous le dites, les mythes sont régulièrement utilisés dans le monde politique, par exemple. Parce que plutôt que de bassiner les gens avec de longues démonstrations, des chiffres qui vous expliquent que le grand remplacement, ça n'existe pas, c'est beaucoup plus simple de raconter une petite histoire qui est tout de suite gobable. Voilà, c'est ça un mythe. Donc les mythes sont, par définition, réactionnaires. Et pour ce que vous dites, le début de votre question, c'était certaines sciences qui comparent l'actuel avec le passé, etc. Vous faites peut-être référence... au comparatisme ethnographique utilisé, par exemple, en préhistoire ou ce genre de choses. Non, j'ai bien compris. Oui. En géologie aussi, oui. Ah oui, c'est la géologie, c'est le principe selon lequel il ne faut pas chercher d'explications extraordinaires puisque les explications qui fonctionnent encore maintenant ont toujours fonctionné de tout temps. C'est la base de la géologie. Mais pour ce genre de recherche, c'est un petit peu différent parce que l'idée, par exemple, d'utiliser des cartes, c'est de dire, lorsque vous avez une carte de répartition de n'importe quoi, d'un fait culturel, n'importe quoi, les résultats aux élections, la couleur des cheveux, ce que vous voulez, n'importe quoi, la façon de mettre une cravate, ce que vous voulez, faites une carte. Cette carte, elle vous montre l'état actuel des choses. Quelle est sa répartition? Et l'idée, c'est de dire, si on avait fait la même carte un siècle avant, deux siècles avant, trois siècles avant, mille ans avant, on aurait eu un résultat différent, ou pas de résultat du tout. Et que donc, grosso modo, pour faire très bref, la géographie, c'est de l'histoire figée. Et que, en comparant les cartes, ce qu'on appelle, avec une science qu'on appelle l'aréologie, c'est-à-dire la comparaison des aires de répartition, on peut faire de l'histoire et on peut essayer... de construire, en tout cas, non pas d'avoir des certitudes, ça c'est très difficile, mais de construire des hypothèses qui permettent de remonter dans le temps. C'est une des machines dont nous pouvons disposer pour remonter dans le temps, avec la préhistoire, l'archéologie, la génétique et la linguistique historique. Est-ce que, s'il vous plaît, les migrations de population, les grandes découvertes, l'imprimerie et... pire encore aujourd'hui, l'informatique et les circuits d'information que l'on connaît, et puis les échanges de marchandises, etc., toutes les voies marchandes. Comment est-ce que ça peut introduire un biais dans votre raisonnement? Comme vous le disiez, si vous aviez fait cette étude en l'an 200 ou 300, là où il y avait déjà des grandes migrations, mais beaucoup moins, comment est-ce que... Alors, ça revient à poser la question, comment est-ce que vous sélectionnez vos mythes pour qu'ils rentrent dans votre modèle? Alors, première chose, je ne les sélectionne pas. À partir du moment où un mythe a été recueilli à un endroit, ça me va. Effectivement, il peut y avoir des problèmes de fiabilité, etc. Mais sur le grand nombre, je pense que c'est lissé. Et puis, ce n'est pas d'hier qu'on recueille des mythes et qu'on écrit des mythes. Vous avez plusieurs endroits du monde où l'écriture est apparue depuis très longtemps et où on a tout de suite noté des mythes en Égypte ancienne, en Mésoamérique, un peu plus récent, en Chine, à Sumer,
Et là, on a des mythes qui ont été notés, disons, dans le 3e, 2e millénaire avant notre ère, et qui étaient déjà de l'ordre de la tradition orale, qui ont été notés. Ce n'est pas parce que quelqu'un note quelque chose à ce moment-là que c'est apparu à ce moment-là. C'est quelqu'un qui s'est dit, tiens, je noterai bien ça. Voilà. Mais ça circulait déjà, on a plein d'indices. En Égypte, par exemple, c'est très clair. Bon. Et donc, on a une très longue tradition de notation, et on a donc des jalons chronologiques, déjà, qui permettent, disons, d'étalonner ce qu'on peut reconstruire. Alors évidemment, ce type de reconstruction, il est imprécis, comme toutes les reconstructions. Quand on reconstruit des chronologies en utilisant les systèmes de datation les plus performants, carbone 14 ou ce que vous voulez du genre, eh bien, il y a des incertitudes. On n'a pas la date au jour auprès. Bon, voilà, mais on a une marge d'erreur suffisante. Et on peut calibrer pour justement estimer, rectifier les erreurs possibles. Ça a été fait pour le carbone 14, très bien. Et donc là, c'est pareil. On a des dates dont on est certain qui permettent d'avoir des jalons et de calibrer et de rectifier. Mais c'est vrai que c'est très contre-intuitif, disons, l'idée de dire, avec des mythes qui ont été recueillis pour la majorité au 19e siècle, on remonte à la préhistoire. Parce que l'idée que nous avons, c'est que enfin, c'est surtout une erreur, je pense, qui consiste à confondre la mémoire individuelle et la mémoire collective, ce qu'on peut appeler mémoire collective, mémoire culturelle. La mémoire individuelle, oui. C'est pour ça que les historiens, en Afrique par exemple, qui font de l'histoire orale, prennent beaucoup de précautions. C'est très compliqué. Parce qu'il y a l'argument de dire, oui, bah, au bout de 30 ans ou 3 générations, les témoignages, déjà même beaucoup plus courts, ça commence à être un peu fluctuant. Donc on ne peut pas faire confiance. Mais sauf que là, ce n'est pas des témoignages. Ce sont des récits sur l'origine de l'humanité. C'est très différent. Et c'est quelque chose dont on sait que certains ont été écrits en 2000 avant notre ère et qui se disent encore aujourd'hui sans être passés par l'écriture. Donc on est sûr que ça se maintient très solidement, ce qui se comprend, puisque c'est des croyances dont les gens n'ont pas du tout envie de se défaire et qui fondent l'identité des groupes en plus. Raison de plus. Ben, je ne vois pas que l'évolution des mœurs ait beaucoup changé les croyances de base des chrétiens, par exemple. Dans le détail, oui, mais les croyances de base, non. L'origine de l'humanité, non. Non, c'est quelque chose auquel les gens tiennent et on n'en change pas comme ça de ce genre d'histoire. Merci. Nous avons également des questions de la part des internautes qui ont suivi la conférence en direct. Une première question, existe-t-il des peintures rupestres qui représentent de manière évidente ces mythes ? Non. Alors, réponse un peu plus développée. C'est presque devenu un commun dire chez les préhistoriens de dire que peinture rupestre, disons, l'art préhistorique en général, particulièrement l'art des grottes, il n'y a pas que les peintures, entre parenthèses, il y a énormément de gravures, a quelque chose à voir avec de la mythologie. Mais ce n'est pas parce que ça a quelque chose à voir avec de la mythologie que c'est une illustration des mythes. Moi, je pense effectivement que ça a quelque chose à voir avec de la mythologie pour une raison très simple, c'est qu'un mythe, c'est un récit, c'est un truc qu'on raconte, mythos en grec, récit. Et que bah, dans toutes les cultures du monde où on a des images, les gens disent des choses sur les images. Il n'y a pas d'image sans récit. Alors, qu'est-ce qui était dit autour de ces images ? Ah, ça, c'est vraiment longtemps qu'on se pose la question. On n'a pas de réponse solide. Mais en tout cas, on peut se dire, bon, il y avait certainement des échanges, par exemple, entre artistes, en disant, ah, dis donc, ton rouge, toi, il est super. Moi, comment tu fais ? Parce que moi, j'arrive jamais à faire des rouges pareils. Alors là, ou l'œil, dis donc, toi, t'es vachement balèze pour faire les yeux. Comment tu fais l'œil des bisons ? Là, moi, j'arrive pas. Jamais, je me plante un peu. Quoi. Bon, voilà. On peut très bien imaginer des paroles de ce type entre artistes. Ou des paroles aussi de gens qui contemplent les œuvres, qui disent, oui, bah, je préfère ce bison-là à l'autre, là, parce que celui-là est quand même un peu. Hein, bon, voilà. On peut très bien imaginer. On peut tout imaginer. On peut imaginer aussi des commanditaires, des gens qui disent, bon, quand tu auras 5 minutes, là, tu iras me faire un bison là-bas, parce que, bon, etc., pour telle raison. Bon. Tout ça est très possible. Des raisons plus profondes, eh bien, ça suppose qu'il y a un rapport direct entre une grande mythologie et les images. Alors ça, comment l'établir ? Je ne sais pas. Mais ma démarche, ça a été de dire, si c'est vrai,
si c'est le cas, si ces images sont en rapport avec une mythologie très importante, suffisamment importante pour motiver des gens, pour aller peindre, dessiner ou graver dans le noir, parfois en prenant des risques inconsidérés. Enfin, franchement, il y a des endroits où c'est très dangereux. Et faire des tout petits trucs comme ça dans des coins complètement invisibles, c'est quand même très bizarre. Il faut quand même une forte motivation. Et donc, effectivement, possiblement de type mythologique. Tout à fait, d'accord. Alors, quel mythe on peut imaginer? Je me dis, peut-être qu'il faudrait chercher un mythe qui nous parle de grottes, du monde sous terre. Et qu'est-ce qu'on voit dans les grottes? On voit des animaux. On parle d'animaux. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit des humains. Ah, sauf que c'est des humains, c'est des humains, oui, d'accord, mais ils sont quand même un petit peu, souvent, animalisés. Donc, comme si ils n'étaient pas finis, quoi. Disons, en gros. Et souvent, d'ailleurs, ils ne sont pas finis. Donc, qu'est-ce qu'il y aurait comme mythe qui irait bien avec cette idée-là? Eh bien, le mythe de l'émergence va très, très bien. Et si je peux démontrer ou essayer de démontrer que ce mythe-là devait probablement être vivant est extrêmement important, puisque c'est un mythe d'origine de l'humanité, donc c'est forcément très important, comme on vient de le dire, pour les gens, on ne s'en défait pas comme ça. S'il était vivant et présent dans la tête des gens à l'époque où on allait dans les grottes pour faire ce type d'image, ce serait bien le diable, quand même, qui n'ait pas eu de rapport. Et cette démarche-là, elle est un petit peu différente de celle qui consiste à dire « Ah, moi j'ai l'impression que c'est totémique », ou j'ai l'impression que c'est chamanique, ou j'ai l'impression que c'est magie de la chasse, ou tout ce que vous voulez, n'importe toutes les hypothèses qu'il y en a eu, il y en a eu beaucoup. Parce que toutes ces hypothèses-là oublient, enfin négligent une étape préliminaire qui, à mon avis, est très importante. Mettons que je prenne le totémisme. Je dis, bon, voilà, c'est quand même, moi, j'ai l'impression, comme dit par exemple Alain Testard, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de chamanique là-dedans, pour telle et telle raison. Mais la première chose à faire, ce serait d'abord de démontrer qu'à l'époque où les images ont été réalisées, le totémisme, il existait bien. Sinon, je perds mon temps complètement. Chamanisme, pareil. Si je dis, ah, c'est chamanique, je sens qu'il y a des trucs chamaniques là-dedans, les mains, tout ça, la paroi et tout, bon, le contact avec la paroi, ça me semble être chamanique. Oui, bon, peut-être, mais est-ce qu'à l'époque où ça a été fait, qu'on connaît, on sait à quelle époque ça a été fait, il y avait du chamanisme? Personne ne l'a jamais démontré. Donc, moi, ce que j'essaye de faire, peut-être que je n'y arrive pas, mais ce que j'essaye de faire, c'est que l'explication que je propose, je prends le soin d'abord d'essayer de démontrer qu'à l'époque où les images ont été faites, elle était présente, et que non seulement elle était présente, mais que si elle était présente, c'était quelque chose d'extrêmement important, de primordial même dans tous les sens du terme, suffisamment pour motiver des gens à prendre des risques jusqu'à aller faire dans le noir, dans des endroits parfois dangereux, en multipliant les difficultés, des images qu'on peut si facilement faire à l'extérieur. Merci. Une seconde question. Bonsoir, Monsieur Le Kellec. Peut-il nous parler du mythe du cheval blanc répandu sur la planète entière? Merci. Ah oui, particulièrement au Groenland et en Australie, c'est sûr, c'est le mythe du cheval blanc, oui, très, très répandu. Exemple, c'est un exemple, justement, de ce que je dénonçais. Les mythes universels, ça n'existe pas. Un mythe répandu sur la planète entière, à part celui de l'émergence, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Et ça, c'est un a priori qui nous plaît, parce qu'on aime bien l'universel. Moi, évidemment, que j'ai rien contre. Il y a quelque chose de plaisant. Nous sommes tous humains, tout ça, et c'est mieux de défendre l'universel que de s'arc-bouter sur des particularismes qui s'opposent les uns aux autres, évidemment. Bon. Et que la mythologie, elle est souvent utilisée justement pour nourrir des particularismes et du nationalisme et tout ce qu'on veut qui conduit à la situation qu'on vit en ce moment, notamment. Donc, bien sûr qu'a priori, oui, mais dans les faits, non. Et le mythe du cheval universel, du cheval blanc universel, bien sûr que non, il n'est pas universel. Les chevaux blancs, il y en a. Il ne peut y en avoir que là où il y a des chevaux. Non. Et toujours pas, d'ailleurs. D'autres interventions? Merci, Jean-Loïc, pour la clarté du propos. Le balayage devant la porte pour Jung. Des choses comme ça. Et dans la limpidité du propos, cette magnifique conclusion qui est celle qu'intentionnellement tu avais de montrer qu'effectivement on a là un corpus de savoir, de connaissances touchant
exprimant une pensée collective, un savoir collectif que l'on peut suivre à la trace. Et c'est à propos de cette trace, c'est la belle comparaison faite avec la publication de Science, avec l'ancienneté d'une origine, comme en phylogénie, en paléogénétique, la même voie de diffusion que le biologique humain, celui de la pensée. Je te pose une question par rapport à, peut-être ai-je entendu une réserve, quand tu limites, tu veux limiter à 100 000 ans, ou tu dis 100 000 ans, ou peut-être un peu plus. Pourquoi 100 000 ? Il y a quelque chose qui t'empêche de dire un peu plus loin. J'ai dit au moins. Comment ? J'ai dit au moins. Au moins. J'ai bien entendu que tu as repris après au moins. Ouais. Alors, n'y avait-il pas de réserve ou autre ? Parce qu'a priori, la totalité de cela, si on doit remonter aux origines de la pensée structurée, du langage, etc., on le placerait raisonnablement à cette charnière des 300 000 où l'Afrique est pleine de sapiens, s'explose, ça sort par tous les côtés, à droite, à gauche, etc. Où tu avais une raison particulière dans ce domaine d'émettre ce que j'ai entendu que peut-être une réserve. C'était par prudence, parce qu'évidemment, je pense, c'est assez difficilement démontrable, mais c'est extrêmement probable, que dès qu'il y a des humains, il y a du mythe, de la mythologie, parce qu'il y a de la parole. Les humains sont des êtres de parole, et que donc, très vite, les grandes questions, qui, du coup, elles, sont les mêmes pour toute l'humanité, les gens meurent, par exemple. Ça, c'est une question terrible. Que faire ? Que dire ? Soit on est muet, soit on raconte quelque chose, parce que ce n'est pas supportable. Sinon, voilà. Et donc, je pense que dès qu'il y a eu la possibilité de dire quelque chose, des mythes sont survenus et qu'on a raconté des mythes. Donc, effectivement, on a pensé à un moment qu'on a cherché le berceau à roulette de l'humanité, un coup dans le Transvaal, un coup dans la vallée de l'Omo, un coup... Et maintenant, on sait, on est pratiquement certain que le berceau, en fait, il faut l'élargir aux dimensions du continent africain, que vers 300 000, déjà, pour des raisons climatiques et environnementales notamment, il y avait des humains, des sapiens partout. Et je pense qu'effectivement, à ce moment-là, il y avait des gens qui racontaient déjà ce type de mythe, pas exactement les mêmes comme je raconte, mais ce type de mythe déjà à ce moment-là. La question qui devient plus complexe pour les humanités antérieures. Mais pour les sapiens, pour moi, ça ne fait aucun doute. Donc c'était par prudence. Comme on m'accuse souvent d'être très imprudent. Bonsoir et merci déjà pour tout. Et moi, je voudrais savoir, donc, d'après ce que j'ai compris, donc, il y aurait des mythes de création et donc qui seraient donc très très vieux. Et après, sur le mythe qui explique les rapports justement entre qui est des riches, comment on explique au niveau sociologique. Donc, j'imagine qu'il y a une chronologie aussi de naissance des mythes, parce que là, j'imagine préhistoire. Je me dis bon, c'est pour qu'on explique pourquoi on meurt, effectivement. Et après, c'est quoi la bascule pour se servir du mythe comme instrument de pouvoir, quoi, enfin de domination. Voilà. Je ne sais pas si ça fait partie. Alors, a priori, ce que vous dites, c'est bien l'instrumentalisation du mythe à des fins donc politiques au sens large terme, ça suppose qu'il y a des structures qui le permettent, notamment des structures étatiques, par exemple, ou un système de domination en place qui le permettent. Voilà. Donc, effectivement, chronologiquement, ça a toute chance d'être beaucoup plus tardif. Et les mythes, par exemple, qui nous expliquent... Il y a plein de mythes qui expliquent pourquoi les Blancs écrivent, ont des livres, et pourquoi les Noirs n'en ont pas. En Afrique... En Inde, en plein d'endroits où il y a eu des colons qui sont arrivés. Pourquoi les colons blancs alors pourquoi ils sont puissants? Pourquoi ils gagnent? Tout ce qui se passe et qui est insupportable. Comment ça se fait? Il n'y a pas de raison. Et là, il y a des mythes qui racontent que c'est à cause du livre. Et donc forcément que ça, c'est des histoires qui sont complètement datées, qui ne peuvent pas remonter à la préhistoire, qui sont des histoires très récentes. Et vous avez des histoires qui vous expliquent, par exemple, que à l'origine, tout le monde avait l'écriture et tout le monde avait le livre. Mais les gens qui racontent ça, par exemple, dans
tel petit groupe d'Afrique disent bah, les Blancs, eux, ils ont pris soin de leurs livres, ils les ont mis dans des armoires, ils les conservent et tout. Et en fait, nous, le livre, on n'a pas fait trop gaffe, quoi, et on l'a laissé comme ça, et il y a une vache qui l'a mangé, le premier livre. Donc, elle a mangé le livre, et du coup, nous, on n'a plus de livre. Mais quand on veut savoir des choses sur le monde, eh bien, on tue une vache et on regarde dans ses entrailles. Voilà. Donc, ce genre de récit ne peut être que récent. Post-colonisation, présence du livre, de l'écriture, etc. On voit bien que ça, c'est des histoires qui ne remontent pas à la préhistoire. Ah ben oui, bien sûr. Oui, oui. Ouais. Ça retraduit vraiment la tradition orale qui a une puissance beaucoup plus importante, et le fait que ce soit conservé à l'intérieur du ventre de la vache, c'est justement, ça montre qu'elle peut perdurer souvent beaucoup plus que le livre, parce que le livre, on peut le brûler, alors que le ventre de la vache, non. Oui, on a souvent nous, du mal. C'est pour ça qu'aussi que ce que je raconte peut être perçu comme contre-intuitif, c'est-à-dire une très longue durée reconstruite à partir de traditions orales. Nous, ça nous semble, on est réticent à ce genre de choses parce qu'on n'est plus dans le monde de la, enfin si, on est toujours dans le monde de la tradition orale en réalité, mais en fait, on est tellement aussi dans le monde de l'écrit, on nous a tellement bassinés avec l'idée que les paroles s'envolent et que les écrits restent, alors que les écrits brûlent, qu'on a l'impression que les paroles, ça reste mieux que les écrits, mais non, ça reste différemment. Mais ça reste ni plus ni moins longtemps. C'est une autre question, ça. Hein. Et effectivement, il y a plein de traditions qui élaborent justement sur cette capacité des traditions orales à rester. Puis on a des tas de preuves, bon, ce ne sera pas le raconter, qui nous montrent que des traditions orales ont perduré jusqu'à nos jours, alors qu'on a des attestations, par exemple, en Égypte. Je pense au conte des deux frères, qui est un conte particulier, qui a été noté en Égypte ancienne par un scribe, vers quelque chose comme 2200 avant notre ère, je pense, voilà, et donc qui a été traduit par Champollion et donc qu'on connaît, et qui a été recueilli en Bretagne avant que Champollion ait commencé à traduire le moindre hiéroglyphe auprès de vieilles personnes qui racontaient la même histoire. Donc, comment cette histoire est parvenue ? Pas par l'écrit en Bretagne. Et des exemples comme ça, on en a plein. On s'est aperçu de la similitude après que Champollion ait pu déchiffrer les hiéroglyphes. Et on a plein d'exemples de ce genre. Une question. On a beaucoup parlé ce soir de l'âge des espèces, de l'âge de l'art. Vous avez parlé de l'âge des mythes. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'âge de la langue, l'âge du langage ? Ça rejoint à la question de tout à l'heure, c'est-à-dire que du moment qu'il y a des humains sapiens, ça parle. Voilà, moi je pense que... Alors, c'est une question redoutable, très compliquée, donc je suis obligé de répondre de façon brève et donc de simplifier à outrance, mais je le fais un petit peu quand même. Disons, quand on parle de l'origine du langage, c'est bien joli, mais de quel langage on parle ? Il y a langage et langage. Il y a le langage qui permet de raconter un mythe et il y a des langages qui ne permettent pas de raconter un mythe. Si je vous dis, par exemple, moi, chasse demain, toi, viendre, vous comprenez très bien ce que je dis et vous pouvez dire oui ou non. Et ce langage-là me permet de dénoncer des grandes vérités générales et même des paroles de sagesse, du genre père avare, fils prodigue. Vite acquis, vite perdu. Voici un langage qui peut être extrêmement riche, dans lequel il peut y avoir un type de langage, dans lequel il peut y avoir un vocabulaire richissime pour désigner toutes les plantes de mon environnement, les oiseaux, les animaux, etc., qui me permet d'organiser des expéditions de chasse, de fabriquer peut-être des radeaux, etc., de faire tout un tas de choses très, très bien, mais qui ne me permet pas de dire l'histoire que je vais te raconter. C'est mon oncle qui me l'a raconté un jour qu'on était perdu en forêt. Et quand il me l'a raconté, il m'a dit « Retiens bien cette histoire, car un jour, tu auras besoin de la raconter toi-même à ton fils. »
avec le langage d'avant, là, ça, c'est pas possible. Et donc, quand on parle de l'origine du langage, de quel langage parle-t-on ? Si on parle du second, alors on parle du langage qui permet de raconter des mythes. Et donc, pour moi, ce langage-là apparaît avec Sapiens. Si on parle du langage en général, donc possiblement de l'autre type de langage que j'ai schématisé là, juste devant vous, eh bien, peut-être que c'était le langage de Néandertal. Et là, on est dans un autre monde et une autre façon de parler et donc de penser. Alors, je suis désolé parce qu'il y a beaucoup de questions en ligne et on ne pourra pas effectivement toutes les répercuter. On a le temps de prendre une seule et dernière question. Alors peut-être de quelqu'un qui ne s'est pas exprimé et puis après on arrêtera là. Désolé pour toutes les autres personnes qui pouvaient vous laisser. Merci. Bonsoir. J'étais extrêmement intéressé par tout ce que vous avez synthétisé pour nous. Maintenant, si on veut approfondir la question, parmi toutes vos publications, puisque j'apprends que vous avez beaucoup publié, qu'est-ce que vous nous recommandez comme bibliographie ? Mon prochain de livre. La vôtre. À le prochain. Bon. Alors, vous aurez sujet. Alors, je réponds quand même. Non, je réponds. Excusez, je réponds. Si c'est votre intérêt porte sur la mythologie en général, les questions que ça pose, comment on étudie ça, ce monde en général de la mythologie qui est très mal connu pour enseigner à l'école, tout ça, etc., sur lequel on a plein de préjugés, genre les mythes, c'est universel, blabla. Alors, j'ai co-publié, co-rédigé avec Bernard Sergent, aux éditions du CNRS, le dictionnaire critique de mythologie qui fait quelque chose comme 1600 pages. C'est un dictionnaire, donc on peut picorer dedans. C'est facile à lire parce que c'est plein de petites histoires, mais il y a tous les concepts analytiques nécessaires pour étudier la mythologie, expliquer, pas pour les nuls, mais pour quelqu'un qui n'y connaît pas grand-chose et que ça intéresse, c'est accessible. Voilà. Donc ça peut être un conseil. Voilà, et puis il y aura une bibliographie hein, qui est à la médiathèque, en général, sur toutes nos interventions, toutes les conférences. Vous avez systématiquement à la médiathèque du pôle une bibliographie qui est constituée autour des intervenants. Voilà, merci. Et puis, j'ai un autre livre, le prochain, parce que c'était sérieux ma réponse. Hein. Le prochain livre s'appelle La grotte originelle, art et mythe des premières humanités. Et donc, c'est en gros ce que je viens de raconter, mais en beaucoup plus développé voilà, et en mieux argumenté. Ça va paraître aux éditions de la Découverte. Merci Jean-Louis Leclec pour votre venue. Merci à vous. Vraiment, vraiment désolé pour toutes celles et ceux qui voulaient poser des questions, mais qu'on n'a pas pu répercuter. Mais effectivement, leur tourne. Vous pourrez retrouver Jean-Louis Leclec et Bernadette Bidaud demain à la médiathèque, à la bibliothèque municipale de Montignac. C'est à 18h30. C'est pour une rencontre ouverte à tous avec des lectures, des causeries à partir de textes à la fois des deux artistes. Et les participants donc, sont invités à apporter leurs propres trouvailles en matière de textes relatives à partager en quelque sorte. Donc demain à 18h30 à la bibliothèque municipale de Montignac et puis ce vendredi, comme je le disais tout à l'heure, au pôle à 20h30. Donc le spectacle d'Orage, de rêve et d'os. Donc, qui est un spectacle conté à deux voix, donc par Bernadette Bidaud et Jean-Louis Leclec. Là, la réservation se fait auprès du CPSM, donc du Libéru, qui organise effectivement toute cette semaine de temps de rencontre avec nos deux artistes. Voilà, le mercredi 27 avril à 15h, nous vous invitons également à la médiathèque, à la rencontre de Sophie Marvaux, à l'occasion d'un goûter livre autour de la sortie de ces deux derniers polars en livre de poche, donc qui prennent la préhistoire pour théâtre. Donc c'est le chaman de Lascaux et le choc de Carnac. Et puis à l'occasion et puis elle parlera certainement aussi de son livre jeunesse. Donc au secours, Néandertal revient en Périgord, ce qui me permet de faire la transition sur la suite effectivement du programme du pôle, puisque vous avez vu que nous étions en montage d'exposition. À partir de la mi-avril, donc autour du 15 avril, nouvelle exposition, qui est l'exposition conçue par le Musée de l'Homme, Muséum d'Histoire Naturelle, sur Néandertal, que nous allons adapter et présenter donc, au public à compter du 15 avril jusqu'à la fin de l'année. Et ce sera pour nous l'occasion d'ouvrir un nouveau cycle de rencontres
avec des scientifiques, des artistes autour de Néandertal. Nouveau cycle qui sera inauguré en même temps que l'exposition, donc à 17h30, le vendredi 29 avril, avec à 18h30 une conférence de Pascal Depape, en collaboration, donc, dans le cadre de la collaboration que nous avons avec l'INRAP. Pascal Depape qui interviendra sur donc, Ni sous homme, ni sur homme, la vraie histoire de Néandertal. Voilà, donc c'est le 29 avril à 18h30 et ça sera également retransmis en direct sur notre chaîne YouTube. Merci beaucoup, très belle soirée à vous. Merci Jean-Luc Lekelec et donc à très bientôt.